Bonjour à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau direct sur la chaîne où nous allons couvrir le lancement d'une toute nouvelle mission. Déjà, bonne année à toutes et à tous de prime abord. Je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, euh, les meilleurs voeux, comme on dit tout le temps à chaque fois. Euh, la santé, euh, le bonheur, la réussite, mais surtout la santé en hein, cette période compliquée et euh, la paix. Si on peut avoir la paix, ce serait euh, encore mieux. Mais bon bref, ici, nous n'étalons pas nos opinions politiques. Vous le savez, euh, j'espère que vous allez toutes et à tous très 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 bien. En ce mardi 3 janvier, premier live de l'année, premier décollage de l'année, et c'est SpaceX qui ouvre le bal en cette année 2023. Il fallait s'en douter, après leur euh, record explosé l'an dernier avec 61 lancements, et eh bien euh, cette année, l'entreprise d'Elon et euh, eh bien euh, veut continuer, veut poursuivre vers cette voie avec, et euh, eh bien, euh, il me semble, une centaine de lancements, donc ils sont vraiment, vraiment d'attaque. Et euh, pour vous dire, on a déjà dans 9 jours une Falcon vide prévue. Voilà, déjà, on commence très, très bien l'année. Donc euh, ça va être plutôt cool, on espère que ça va, euh, ça va ne faire que s'amplifier et, euh, et euh, se dynamiser à l'avenir. Voilà, en tout cas j'espère que tout le monde va bien. Euh, Installez-vous toutes et tous confortablement sur le chat. Et moi je vais prendre vos, vos premières questions s'il si y en a, sinon on va pouvoir débuter parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire pour le lancement d'aujourd'hui. Alors le lancement d'aujourd'hui c'est une mission transporteur, donc c'est une mission de covoiturage euh, qui consiste à envoyer beaucoup beaucoup de satellites. Euh, Puisqu'en fait, des, ce sont plein de clients, plein d'opérateurs de satellites, constructeurs de satellites qui se sont eh bien, répartis le, 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 le prix du lancement, hein, toutes et tous ensemble. Et aujourd'hui, il y a pas moins de 114 satellites qui vont être envoyés. Alors, oui, euh, je sais que ça ne va pas faire plaisir à ceux qui n'aiment pas qu'on pollue l'orbite. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est le commerce. Euh, business is business, j'ai envie de vous dire. Donc euh, voilà, ça va être une très belle année on l'espère, avec beaucoup de choses à voir. J'espère que vous avez vu la petite rétrospective de l'année dernière. Si vous n'étiez pas allé la voir, n'hésitez pas à aller parcourir les vidéos de la chaîne YouTube. Elle est disponible depuis 3 jours, hein, depuis le 31 décembre dernier. Maintenant 31 décembre 2022. On vous a exposé toutes les réussites. Ah, excusez-moi j'ai quelque chose qui est tombé. Comme ça c'est super. Hop, voilà. Euh, petit quoi que ça peut arriver, ça peut arriver. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, on a eu plein plein de réussites l'an dernier et, euh, et euh, on va avoir beaucoup de choses cette année euh, qu'on attendait l'an dernier, comme par exemple euh, le Starship. Hein. Je vous fais pas de dessin le Starship, euh, la Vulcane du LA, Ariane 6 d'Ariane Group. Bon, on va pas se mentir que pour Ariane 6 ça va être compliqué, je pense cette année. Euh, et plein d'autres fusées, la RS-1 d'Abel Space System, notamment la Terran 1 de Relativity Space, euh, et euh, aussi il va y avoir beaucoup de missions euh, euh, pour le programme CLPS, programme CLPS lunaire de la NASA. Donc, c'est des petites charges qui vont être envoyées à la surface de notre satellite naturel. Donc, je passe notamment à Peregrine Green, je pense à d'autres atterrisseurs, je pense aussi à Cooter qui va arriver. Là, on a eu des images de Capello ces derniers jours, donc ça bouge pas mal, ça commence déjà à bouger pas mal. Euh euh, au, niveau de, au niveau du spatial en 2023, donc ça va me faire que s'amplifier. Euh, si on avait eu un SLS, ça aurait été une année incroyable. Mais bon, SLS ne décollera normalement pas cette année, mais l'année prochaine en 2024 pour Artemis 2, mai 2024, on prend déjà le rendez-vous ici. Et euh, voilà, j'espère qu'en tout cas tout le monde va bien. Euh, vous êtes bien, bien accrochés, que vous euh, êtes prêts. On va débuter une présentation assez complète. Euh, je ne pense pas vous présenter euh, la Falcon 9. Je pense que tout le monde la connaît aujourd'hui. Euh, du moins aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et je ne pense pas avoir assez de temps pour tout, tout, tout vous dire. Donc je préfère mettre l'accent sur les, les satellites qui seront envoyés plutôt que la Falcon qu'on a présentée en long, en large et en travers euh, sur de nombreux directs précédents. Voilà, si vous débarquez pour la première fois sur un sur un lancement SpaceX, bah euh, vous pourrez aussi voir nos replays qui euh, vous permettront d'en de, euh, savoir plus sur la Falcon 9, voilà. Et puis il y a aussi le site de SpaceX qui euh, présente un très bon modèle 3D où tout est bien expliqué. J'ai hâte du Starship et moi alors. Et moi alors et nous alors dans l'équipe. On hâte, a... on attend. OK. Donc euh, ce que je vous propose c'est qu'on débute. Alors moi je me suis mis le je me suis mis le bijou de contrôle audio euh, en parallèle si jamais on a des informations qui nous parviennent. Mais euh, moi ce que je vous propose c'est qu'on y aille. Donc, tout de suite c'est parti. Donc en haut, juste au-dessus de moi, la webcast qu'on attend. Et à droite, eh bien, la présentation du profil de lancement d'aujourd'hui. Voilà. Euh, merci en tout cas Christophe pour tes meilleurs vœux, mais un vœu à toi également. N'hésitez pas en ce début de live à lâcher votre petit like. Ça nous aide, euh, ça nous soutient. Vous le savez, le référencement c'est très important. D'autant plus en 2023. Donc euh, voilà. J'ai envie de vous dire, euh, on commencerait l'année sous de bonnes auspices. Le lancement d'aujourd'hui, eh bien, à 38 minutes après le décollage. Donc, normalement, à 15h56, ça décolle. Alors, je crois qu'on a une fenêtre, normalement, pour ce décollage-là. Je vais d'ailleurs aller voir parce que... Euh, je crois qu'elle s'étend jusqu'à 16h20, quelque chose. Ah, je crois qu'il se, dé... se prépare à... à remplir. Préparation au remplissage, c'est ce que j'ai entendu dans ma petite oreillette. Euh... Je crois qu'on a une fenêtre de tir qui n'est pas très grande aujourd'hui, donc ça devrait aller. Par contre la mission va durer longtemps. Si SpaceX, et je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils l'ont fait par le passé, euh, si SpaceX décide de retransmettre tous les déploiements, on en a pour au moins deux bonnes heures, deux très bonnes heures de live. Je pense qu'on va rester ensemble jusqu'à moins 17h30. Euh, S'il n'y a pas de quack, si SpaceX euh, n'a pas d'imprévu, normalement ça devrait durer jusqu'à 7 h ci Alors pour la fenêtre de tir du jour, on a une fenêtre de tir instantanée. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est même pas une fenêtre de tir large, c'est une fenêtre de tir instantanée. Autant pour moi. Euh, et pour Blue Origin plus de nouvelles. Et eh bah ben, écoute, euh, la New Shepard, je sais pas où on en est de l'enquête de l'AIFA, Autant vous dire, je n'ai pas du tout de nouvelles aujourd'hui. Euh, il faudrait que je me renseigne davantage. Euh, en tout cas, ce qu'on espère voir cette année, c'est la New Glenn. Mais clairement, je pense pas qu'elle décollera. Je pense qu'il faudra plutôt miser sur 2024, voire 2025 maintenant. Euh, mais euh, pour Blue Origin c'est chaud quoi. Heureusement qu'ils ont euh, un actionnaire très fortuné on va dire. <laughs> Avez-vous vu la bande-annonce du film Tony les Oui je l'ai vu rapide. Alors un petit peu rapidement, brièvement mais je me suis pas trop attardé là-dessus je t'avoue Florence. Euh... Énorme euh, Michael, énorme, énorme. Fais-nous une petite story sur Instagram on te... entre les rats. Et pour Artemis 2, bah, c'est pas avant euh, mai 2024. C'est pas cette année, Artemis 2. Il va falloir du temps déjà pour assembler, terminer de construire, assembler la prochaine SLS. Et également pour euh, réparer le pas de tir, qui a été fortement endommagé lors du lancement de Artemis 1. Alors là, j'ai des petites communications qui me parviennent. Euh, je vais un petit peu réduire le volume de ma bande sonore, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, on va louper des coms, et c'est important de ne pas les louper. Normalement, je l'ai... Voilà, je l'ai ici. Je les ai ici, les communications. Ah bah, elles sont à fond, pourtant. Ok. Bon. Donc, ce que je disais, c'est que 38 minutes avant le tir, donc à 15h18, euh, le, la vérification a été effectuée au niveau du... Bah, avant de charger les ergols, donc c'est ce qui s'est passé, là, notamment. 35 minutes avant le décollage, donc à 15h21, euh, on débutera le remplissage... Donc c'est dès maintenant, on débute le remplissage dès maintenant en kérosène RP hyper affiné euh, sur le lanceur. Dans le même moment, on va remplir l'oxygène liquide. Sur le premier étage seulement. 19 minutes plus tard, à 15h40, on va remplir le second étage en comburant, donc en oxygène liquide toujours. 9 minutes plus tard, on va passer l'étape d'Engine Shield. On va refroidir les températures des turbopompes des moteurs pour qu'éviter qu'il y ait un choc thermique. Entre euh, la température des moteurs qui sont à l'extérieur et à la température... Euh, des ergols cryogéniques qui occupent les réservoirs. 6 minutes plus tard, une minute avant le décollage à 15h55, on va eh bien procéder aux vérifications finales de pré-lancement, de pré-vol. Dans le même moment, on va pressuriser les réservoirs. 15 secondes plus tard, le directeur de lancement va donner ou non sa permission pour le tir aujourd'hui. Donc il donnera le go ou non go for lunch et à ce moment-là, on saura si ça décolle ou non. 42 secondes plus tard, Allumage des 9 moteurs Merlin 1D plus de la Falcon 9. Et à 15 h décollage. Là, vous avez le profil du vol. Donc aujourd'hui, on va encore récupérer le premier étage sur zone d'atterrissage terrestre. Euh, ça fait. Euh, on, les voit plus trop, on les voit plus trop récupérer sur barge. Je ne sais pas si c'est un sweat SpaceX de, de, de plus de trop se prendre la tête avec les barges. Moi, je pense que c'est surtout le fait que ça prend du temps de déployer la barge sur place, de la ramener, etc. Je pense que c'est surtout un gain de temps en fait pour eux, euh, comme on dit dans le business, time is money, donc euh, surtout chez SpaceX c'est important de, de procéder ainsi. Donc après le décollage à T+, 1 minute et 12 secondes, on va eh bien, euh, réduire euh, la poussée euh, des moteurs malins D+, de la Falcon 9, de 100 à 70-75% de leur régime. Pour éviter que le lanceur de ce disloque étant donné qu'il y aura beaucoup beaucoup de pression autour de lui à cette altitude, et que donc la contrainte aérodynamique sera très 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 forte sur la structure de la Falcon. Et donc, pour pallier à ça, on réduit le régime des moteurs, puis on le remet à 100% juste après avoir passé cette étape qui est assez rapide, c'est juste après avoir passé le mur du son, après MAC 1. Euh, donc on sera entre MAC 1 et MAC 2 à ce moment-là du vol. Ensuite... 1 minute et 15 secondes après le décollage, on va et eh bien couper les 9 moteurs Merlin 1D du premier étage. Ils ont effectué leur travail dans la partie atmosphérique du vol, jusqu'à 66-70 km d'altitude par là, euh, lors de la mission. 3 secondes plus tard, on va séparer ce premier étage avec le second qui, lui, va prendre le relais. 8 secondes plus tard, en s'allumant, à T2 minutes et 28 secondes. Juste après, on va 5 secondes plus tard, et eh bien. Euh, après avoir fait retourner un petit peu le premier étage, il va passer du sens prograde, donc du sens de la marche, au sens contraire de la marche, donc sens rétrograde. Hein, il va se retourner, hein, il va se retourner complètement. Et euh, il va effectuer ce qu'on appelle une manœuvre de boost back burn, où il va, on va rallumer les moteurs ici, pour regagner la côte au plus vite, pour que le, euh, le périgé, c'est-à-dire le point le plus bas de l'orbite, c'est-à-dire le point de chute du premier étage, et euh, eh bien, euh, se rapproche de la côte, enfin, regagne de la côte, parce qu'aujourd'hui, on va regagner de la côte. Il va pas y avoir juste un, un, un atterrissage euh, sur barge, mais vraiment à quelques miles, quelques kilomètres au sud du pad. Ensuite, on va euh, procéder à l'étape suivante, qui consiste à euh, terminer ce boost backburn. Donc, il va durer quand même près d'une minute ce boost backburn. Il va durer, euh, je dirais, euh, si je compte bien, 47 secondes. Ensuite, 26 secondes plus tard, on va procéder à l'étape de séparation des demi-coiffes. Donc euh, qu'on voit ici, hein, les demi-coiffes qui protègent toutes les charges utiles contenues euh, contenu aujourd'hui. Emportées aujourd'hui de la friction avec l'air, étant donné qu'après on est dans l'espace, il n'y a plus de friction en toute logique, et donc on se sépare de ces masses mortes qui nous embêtent un petit peu. Euh, moins on a de poids à propulser, mieux c'est. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui va euh, et bien consister à euh, effectuer un entry burn donc à 6 minutes 44 après le décollage l'entry burn va permettre au premier étage d'éviter de se consumer dans l'atmosphère en perdant plus de 1000 km heure à cette phase là du vol et euh, ensuite c'est l'atmosphère qui va finir le travail on va dire avec un dernier allumage à la fin pour récupérer le premier étage euh, notamment via le landing burn où on rallumera pas trois mais qu'un seul moteur à la base du de la falcon et normalement on doit atterrir 8 minutes après le lancement, donc vers 16h04 par là, s'il n'y a pas de report hein, bien sûr, si tout se passe bien. Ensuite, on va avoir dans le même moment on aura coupé le moteur du second étage, puisqu'on aura atteint une orbite pas circulaire mais elliptique avec un apogée élevé, un périgée bas. Et euh, donc à ce moment-là, on va couper, on sera en chute libre, hein, en, concrètement, en, en free flight. Et euh, on va rallumer le moteur pour circulariser, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'on ait une orbite parfaitement circulaire autour de la Terre. Et bien euh, 47 minutes euh, après, euh, après le SICO, Donc on va rallumer pendant 2 secondes, ça va suffire. Et on va commencer toute une série de déploiements qui va être très très longue. Alors je ne sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de live, pour ceux qui nous rejoignent. Euh, si SpaceX a décidé ou non de tout retransmettre, je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils l'ont fait par le passé. On, on a couvert quelques missions transporteurs sur la chaîne, je crois qu'il y en a une ou deux qu'on n'avait pas couvert dans le lot. Mais, euh, mais dans la logique, ils faisaient ça par le passé. Voilà. Et ça doit nous emmener, vous voyez, avec toute cette liste, qui est assez longue, jusqu'à T plus 1h31 minutes et 10 secondes. Donc jusqu'à euh, 17h27, quelque chose comme ça. Voilà, donc on va être en live encore pendant... Deux heures, les amis. Voilà. Alex, euh, tu comptes un jour aller au Kennedy Space Center Pourquoi pas Ce serait cool. Si on m'invite, je prends. Si vous avez des amis euh, qui bossent à la NASA euh, et tout, on prend. Euh, J'ai pas vu JP. Je, je gère plus trop ça. Euh, J'ai plus trop ça. Si, si tu veux la poser ici, ta question pose la Sinon, la euh, si c'est du, 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 un autre ordre. Euh, Bon, je pense que vous n'avez pas trop de questions. Bonjour Alexis, toute la communauté, meilleur vœu de bonheur, de joie, de santé de nombreux lives spatiaux à toutes et tous. Et ben merci à toi Lewis, merci beaucoup. Et vœu à toi également. Merci à vous en tout cas les amis. Tu peux parler de la payload de Gamma Space, première voile solaire française. Je vais en parler. Mais c'est pas encore le moment, mais je vais en parler, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, pour information, le premier étage, vous l'avez compris, va atterrir ici. Donc dans la... Alors moi j'aimerais afficher afficher ça, voilà. Il va atterrir sur cette zone d'atterrissage-ci, la Landing Zone 1, qui est située à quelques miles au sud du pas de tir. D'ailleurs, je crois qu'on voit même les pas de tir au bout, là. Si vous voyez mon pointeur. Donc, très grande, hein, l'échelle d'un humain qu'on voit ici euh, au-dessus du logo euh, de la firme. C'est vraiment gigantesque. Il faut se dire qu'ici, il y a des grands pieds qui vont. Euh, <laughs> Bah, euh, se poser sur cette grande cible, donc c'est vraiment impressionnant. Et encore, on n'est que, que entre guillemets, je n'aime pas dire ça, mais on n'est que entre guillemets sur des premiers étages de Falcon. Imaginez après quand on va récupérer des, des énormes boosters. Hein. Je pense que vous voyez desquels je parle. Euh, ça marche JP, ça marche. Il devrait faire comme dans les moteurs des voitures du début du XXe siècle, attacher une boîte associée du motoriste. Salut, mais quoi on en orbite aujourd'hui Salut, Jérôme, mais bon, on met en orbite 114 charges utiles pour ce vol de covoiturage. news pour ton taf, Alex, bah, je postule, je postule sans relâche, je m'inscris aussi à des concours d'entrée d'école. Mais voilà, si vous avez des. Voilà, ouais, je passe ma petite pub, mais si vous avez des. Euh... Bah, des connaissances, des collègues qui travaillent dans le journalisme, euh, dans des rédactions, euh... bah, hésitez pas à me faire signe, je prends. Ouais, Starship, voilà, bah, t'as tout compris. <laughs> Donc voilà. Euh, ensuite, le bateau Bob, ici, va récupérer les deux demi-coiffes du jour. Normalement, si tout se passe bien. Euh, donc ce dernier se situe, si je me souviens bien, à 600, voilà, 604 km du pas de tir. Euh, donc euh, voilà. Et pour certains qui se demandaient comment ils récupèrent les coiffes, bah voilà comment ils font. Voilà, tout simplement, euh, c'est pas sorcier, comme on dit. Euh. Voici, voici, voici. Ensuite, petit point météo. On a 8 km/h de vent sur place. Normalement, tout devrait bien se passer, en sachant qu'on a 90%... Oula, on a un peu plus, ça a augmenté d'un coup. On a presque doublé. 14 km/h de vent, plus vent vers le nord, donc ça ne nous arrange pas parce que la, la Falcon part vers le sud, mais bon. Il ne faut pas trop que ça monte parce que ça peut, peut poser souci. Euh, Puisqu'on part évidemment vers le sud, aujourd'hui on part vers une orbite iosynchrone, euh, eu hein, euh, quasi orbite polaire. Voilà. Donc, euh, on part vers le sud aujourd'hui et euh, on va voir comment ça se déroule. Normalement, ça devrait aller. Et vous avez ici euh, voilà, le bulletin météo euh, d'hier à H-24 avant le décollage. Donc, on a 90% de go pour aujourd'hui. Ça devrait bien se dérouler. Ça devrait plutôt bien se dérouler. Et on va rentrer déjà dans le dur avec les charges. Donc, il y en a pas mal. Euh, là, vous voyez euh, l'orbite qui est visée. Donc, orbite héliosynchrone à 89 degrés d'inclinaison. On part vers le sud. Donc on va pas voir ce qui se passe de notre côté en France, hein, parce que c'est vrai que vous allez me dire ouais mais à 17h30 la nuit va tomber, mais non, pour l'instant on verra rien. Euh, après je sais pas si on a moyen de les voir ou non, mais en tout cas là, en l'état, non. Voilà. Euh, ouais, ce serait pas mal à enfin, Après, c'est nos partenaires, c'est l'espace. Enfin, ça a été nos partenaires. Mais c'est vrai que euh, après, euh, malheureusement, beaucoup de rédactions sont, sont déjà, on va dire, bouchées, hein, donc c'est pas évident. Euh, salut Alex, le salut à toutes et à tous dans le chat, bonne année, bah, merci Aïssa. Euh... Donc voilà. Donc pour les charges d'aujourd'hui, oui, on en a un paquet. Donc on en a une, qui on a Alba Orbital Cluster 6 du SAT-1 euh, par Maverick Space Systems, charge gouvernementale. On a Koweït SAT-1, je pense qu'il est du Koweït. Connecta 1-2 Gamma Alpha de Nano Avionics, 6, donc un CubeSat-6U, pareil pour euh, BRO-8, de Unseen Labs, Unseen Labs, qui sont assez connus. Wiggins, qui fait un peu penser à la mission euh, Cassini-Wiggins. Non, Lorian n'est pas là, Marie, l'Orient n'est pas là. Euh, Birkland euh, de Spacebee, c'est bien parce qu'on a les petites dimensions aussi, 25U, assez ouais, grand ça quand même. WS-RRO-CI, Guardian Alpha, Spacebee-D, Sonisphere de Loft Orbital, je crois que ça ça va intéresser quelqu'un s'il est présent dans le chat. J'espère qu'il est présent. Chimera, Léo 1 et Sat 1 près d'Assar, Blackjack. Donc c'est quatre petits sat donc 4 tout petits Sat de Link Tower 2. On a et vous avez les, les photos à côté des, des satellites, je vais revenir un petit peu sur certains après en détail. Merci beaucoup JP pour ton don, merci à toi. Merci des cœurs pour lui dans le chat s'il vous plaît. Merci pour ton don, le premier de 2023, voilà. Enfin, ouais, oui, on peut dire ça, le 1er de 2023. Euh, ExoLunch Exopod, donc de Spire Lemur 157-162. On a aussi celui-ci, Newsa 34-35, hein, c'était albanais talbanais. Momentus Virgo Ride, SSPD-1 Hosted Payload, donc de 50 kg. Zeus 1. Et pour info, on n'a pas tous les poids hein, d'aujourd'hui, c'est un petit peu dommage, ça. Mais bon, je pense qu'on doit peut-être approcher des disques. Je pense qu'on n'est pas très lourd en soi. On n'est pas très lourd. Launcher Orbiter SN1. Euh, d'argentine voilà on a un peu de tout ouais, c'est assez euh, c'est assez réparti 300 kg là le skycraft quand même et euh, voilà à peu près pour les charges euh, aussi autre info qui est important à donner c'est que c'est le 15e vol du premier étage aujourd'hui euh, salut hugo bonne année à toi mec 15 e vol du booster aujourd'hui, donc le BD60, qui fait partie de ces quelques rares boosters à avoir volé 15 fois euh, dans la flotte de SpaceX. Donc il a effectué de nombreux vols, notamment GPS 3.3, Starlink 11, Starlink 14, Turksat 5A, euh, Starlink 18, 22, 24, Transporter 2, Starlink 4, 3, 4, 6, 4, 9, 4, 14, 4.19 et Galaxy 33 34. Donc ça fait un paquet de vols. Euh, et euh, ça fait je crois 80 jours et quelques qu'il a pas volé. Ça commence à faire. C'est clairement pas le meilleur turnover de la firme. Hein. <laughs> mais, euh, mais voilà, c'est quand même euh, impressionnant. Comment tu vas Alex Tu sais bonne année à Lauriane et Lucas si possible Et bah euh, je l'ai déjà fait en privé, voilà. Et, euh, sur le Discord on a discuté, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord aussi pour Discord dans le chat. Pour discuter avec nous. On est souvent présent en ce moment, Lucas est aussi là, donc euh, de temps en temps, donc euh, venez. Euh, tu peux nous dire la maintenance entre deux vols alors Jérôme j'ai plus les détails exacts mais sache qu'on a fait un épisode sur la chaîne youtube Hugo a fait d'ailleurs qui est disponible donc sur la chaîne dans la playlist épisode qui te donne tous les détails euh, de ce qui se passe entre deux vols d'un booster de Falcon 9 de SpaceX voilà comme ça tu sauras tout à l'avenir là dessus. Donc euh, au niveau des charges, après on a euh, je pense d'autres détails intéressants à donner. Alors là on est sur le site des vues d'astronautes hein, qui est chaîne YouTube en description bien sûr, euh, si vous souhaitez retrouver ça et son site. Euh, je crois qu'il a donné quelques petites infos sympas sur certains sites. Là vous, vous voyez un peu comment c'est fichu. Euh, je vais traduire un petit peu parce que je vous avoue que je suis pas trop mal en anglais, mais je ne suis pas au point d'être bilingue, hein, on va pas se mentir. Euh, donc euh, ici, qu'est-ce qu'on a de beau, euh, on, a, donc, on a plusieurs charges, vous avez compris. Ah, on a l'étage 2 qui est totalement rempli, donc, ça c'est cool, au niveau du LOX hein, je crois, pas au niveau du kérosène. Diorbit euh, qui va héberger des charges utiles de société sociétés, Astrocast et AAC Clyde Space. Donc 5 cubes à 3 u qui doivent collecter des données terrestres, ok. Hmm, D'accord. Ensuite, on a, euh... ah bah on a une petite animation d'ailleurs. Ok, c'est plutôt sympathique. Regardez. Je vais, euh... je vais essayer de euh... réduire un peu la fenêtre. Tac. Bon, si ça veut bien euh... se lancer, ce serait cool. Bon, il veut pas. Il veut pas. Mais voilà, à quoi, ça ressemble. En animation 3D, c'est sympa d'avoir des images comme ça. C'est pas tous les jours qu'on a des images comme ça qui ne sont, euh... qui sont disponibles. Euh, là on aura plusieurs petites charges. On n'en sait pas plus. Vraiment on n'a pas beaucoup d'infos. Là on a une technologie d'ergol qui va être utilisée. C'est assez intéressant. Par contre ça c'est super intéressant. Parce que ça peut améliorer notamment les propulsions des futurs vaisseaux et futurs lanceurs. Donc ça ça peut être super intéressant. Euh... Merci Régine, merci beaucoup. Il y a pas de fenêtre de tir. Non, c'est une fenêtre de tir instantanée, David. C'est une fenêtre de tir instantanée. Euh, je vais pas remettre de musique pour ceux qui se demanderaient, parce que j'ai envie aussi d'écouter les comms. Donc on va se mettre les coms un peu plus fortes. Hop là. Comme ça je saurai ce qui se passe. Donc ça c'est quand même 200 kilos, c'est pas rien. Ensuite on a the Earling. C'est tout petit, hein. Regardez l'image, c'est vraiment tout petit, c'est impressionnant, vraiment. Euh... Là, on se rend compte de ce que c'est un tout petit et un tout petit small sat. Concrètement, regardez, ça tient dans une main, dans aller dans une grande main, quoi, très grande main même. Mais ça tient, c'est la, la taille d'un avant-bras, quoi, limite. Donc c'est vraiment impressionnant. Et ici, euh, je n'ai pas les applications. Alors, je vais regarder si on en a, mais euh... donc là, c'est plutôt, il y a des expériences aussi à, à but éducatif, hein. Euh, donc là, c'est des étudiants, notamment de premier cycle, qui doivent acquérir des connaissances euh, liées à l'industrie spatiale, notamment sur les Pléiades ici, et qui aura des capteurs de température, lumière, gyroscope, magnétomètre. Donc ça, c'est intéressant. Bon, on n'a pas toutes les charges. On n'a pas toutes les charges. Mais du coup, on en a vu une sur euh, Gamma, je crois. Il faudrait que je retrouve. Ouais, je retrouve l'info si quelqu'un a l'info. Voilà à peu près. Euh... Je vais essayer de vous retrouver ça parce que j'avais l'info tout à l'heure. Bougez pas. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions en attendant, comme ça, moi je vais pouvoir les prendre derrière. Ah, on a commencé le remplissage en lox, autant pour moi, sur l'étage numéro 2, je me suis trompé. Je pense qu'on avait rempli le kérosène plus tôt. Donc là, on est à 17 minutes avant le décollage, donc on a encore un peu de temps. Mais ça va vite arriver, hein. Ah oui, Synlabs qui est français, euh, donc avec le SATBR O8 et la voile solaire effectivement de Gamma Space. Alors Gamma Space qui a une voile solaire, ça c'est archi intéressant, clairement. Alors là, j'espère euh, que je vais pas me prendre un claim. Mais en gros, on a ici une petite vidéo intéressante de, de, de Gamma Space. Et moi, j'ai été su du coup hier, parce que je ne connaissais pas du tout cette entreprise, autant vous dire. On en découvre tous les jours, hein. comme quoi qu'on en découvre tous les jours. Hein. Et ça peut être très intéressant à, à présenter ici. hop Donc, il envoie une sorte de voile solaire. Donc, les voiles solaires euh, qui permettent d'économiser beaucoup de carburant. Alors, c'est lent, mais, euh, mais ça a ses avantages. Ça a aussi ses inconvénients, mais ça a des avantages. On en avait parlé notamment euh, lors de l'interview qu'on avait... Euh, Effectué avec Francis Rocard euh, au CNES quand Lucas était parti euh, lui poser des questions. On a notamment parlé de voyages avec des, des voiles solaires, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cette interview, vous en aurez davantage. Il va y avoir un boost back, oui, à CAF. Oui, pas le choix si tu veux revenir sur Terre, euh, t'as pas le choix. Donc là on a un démonstrateur de voile solaire, voilà concrètement. Assez stylé, vraiment. Ah j'ai pas vu euh, Flink je t'avoue Ah c'est énorme C'est pas mal, pas mal comme, comme, comme clin d'œil Parfois je me demande si tous ces satellites en orbite comment on peut effectuer un décollage sans collision Tout est calculé Ibrahim au sol avant des envois déjà on lance pas n'importe quand il faut des autorisations des arrêtés on va dire et derrière, euh, il faut aussi que tu étudies tout ce qui tourne euh, bah, au-dessus de nous. Et euh, savoir à quel moment ça va un peu s'entr'ouvrir euh, dans le... Pas dans le ciel, mais dans le dans le, le début du, du, de l'espace, quoi, hein, concrètement. Nouveau règlement encore en fait sur YouTube mais pas prévu. Ah j'ai pas vu Ice. Je euh, je sais pas du tout, les chroniques de Tiberius, je pense que oui. Je pense que oui. Mais je t'avoue que c'est pas moi qui m'ai été occupé de vous présenter ce satellite la dernière fois. Donc je ne sais pas, concrètement. Peut-être que Lauriane pourra vous en dire plus euh, quand elle reviendra. Mais je pense que tu peux avoir l'info, tu peux trouver l'info facilement. Mais j'ai plus le nom en tête de ce satellite, autant vous dire. Je veux pas me... Pas vous dire n'importe quoi. Et donc on a aussi de Labs aussi apparemment qui euh, aurait... Euh... Bah, qui envoie aussi des du coup une charge, donc on la voit là notamment. Ils sont passés chez West France d'ailleurs. Voilà, petit CubeSat, huitième satellite de géolocalisation spatiale des navires. Donc c'est pour les navires, c'est vachement intéressant pour le trafic maritime, je pense du coup. Et d'ailleurs une syllabe, ils étaient, euh, ils étaient. Euh, à l'IAC, quand on s'y est rendu avec Hugo en septembre dernier, au congrès international d'astroéthique à Paris. Et on les a vus. On, les, on a vu leur stand. Alors je, je crois qu'on n'avait pas vu leur, euh, leur responsable. Mais on avait vu leur stand, effectivement. Donc c'était assez sympa. Donc ça, c'est le patch d'aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est leur, leur beau petit patch. Euh, oui, j'ai vu euh, JP. J'ai vu, j'ai vu. Pourquoi sur Terre et pas sur les barges Bah Parce qu'en fait. Euh, il faudrait, il faudrait que tu joues à KSP pour comprendre. Mais en gros, quand tu décolles et que ton booster. En fait, ton booster, déjà, tu as besoin de carburant pour le faire revenir. Parce que bah, il faut bien allumer tes moteurs. Donc, il faut bien que tu conserves des ergols. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que euh, si, tu, euh, si tu allumes, mais que tu n'allumes pas suffisamment, en fait, ton point de chute, il va être trop éloigné de la côte. Et tu vas rater la côte. Voilà. Alors que si tu reviens en mer, t'es plus éloigné de la côte, donc t'as besoin de faire moins de rallumage. Voilà. T'as besoin d'allumer beaucoup, d'utiliser beaucoup d'énergie quand tu vas dans un sens. Par exemple, quand tu veux aller sur la Lune ou quand tu veux aller en orbite terrestre, simplement. Mais si tu veux revenir, parce que vu que as utilisé de l'énergie pour partir dans cette direction-là, t'en as utilisé, d'accord T'as de l'inertie. Mais si tu fais rien et que ton premier étage y retombe, tu ne rallumes rien et pas bah, il va rechuter euh, assez loin quand même du pad. Il va rechuter peut-être à, je sais pas moi, 1000 km, 800 km, et encore je suis gentil, du, de la zone de lancement. Alors que si tu euh, rallumes dans le sens inverse de la marche, tu vas, euh, eh bien, tu vas regagner le point de chute, enfin, euh, tu vas pouvoir parcourir plus de distance, et donc, par conséquent, regagner euh, euh, ta zone de départ, quasiment. Voilà. Je pense, j'espère que je me suis fait comprendre, j'espère que j'ai été clair. Euh, j'ai vu un youtubeur en parler, de ça, c'est honteux, en gros, maintenant, tu peux... D'accord. Euh, non Amande je pense que... Non, ça, pas, ça, passe pas comme ça, ça passe pas comme ça, je pense. Oui, c'est clair. C'est clair David. J'ai d'avoir le décollage de Falcon Heavy. Oui, dans 9 jours, nouvelle Falcon Heavy. Deux Falcon Heavy en l'espace de euh, 3 mois, ça fait plaisir. Euh, C'était plutôt une Falcon Heavy tous les 3 ans, là, maintenant on passe sur de tous les trois mois. Donc ça va être. Euh, là, ça va être plutôt sympathique, ouais. Ça va être très très sympa. Bon, on va passer du coup sur le sur le Michel contre l'audio qui okay, est là. Et voilà. Et euh, non, peut-être même avant de avant que ça parte, tenait. petit instant promo, je me le permets. N'hésitez pas à aller suivre aussi nos réseaux sociaux. Hein. Je rappelle euh, notre Instagram que vous voyez là, le Twitter, le Facebook, le Discord. La webcast de SpaceX a débuté, c'est parfait. Hop là. Voilà. Et donc comme je disais, n'hésitez pas à aller suivre nos, nos différents réseaux sociaux, notamment le Instagram, vous voyez où Hugo vous fait du contenu magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà. Je crois que ça parle, les, les, les miniatures parlent pour elles-mêmes. Euh, et donc euh, il vous fait des sondages, il vous en il apprend bien comme il faut sur le, le spatial. Euh, et d'ailleurs euh, les épisodes sur la chaîne YouTube vont bientôt revenir euh, aussi. Donc euh, abonnez-vous, activez la cloche parce qu'il y a des choses dont on va vous parler qui changent un peu. Il y a des dossiers qui sont en cours d'écriture. Voilà, il y a pas mal de choses qui se préparent. Et donc n'hésitez pas à nous suivre partout si vous aimez le spatial. Si vous voulez en apprendre plus encore que ce que vous en avez déjà appris jusque-là. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Là vous avez notre Instagram. Ici vous avez notre Twitter. Voilà pour les actualités écrites. Il y a un Facebook. Il y a ici un LinkedIn. Euh, bref, vous pouvez nous trouver partout. Il euh, y a aussi TikTok, euh, voilà. Donc, euh, c'était le petit instant euh, promo euh, qui va bien. Euh... Oh, voilà, c'est ça. Cave. tout à fait, tout à fait. Et oui, à liker également aussi. Avec récup booster et premier étage. Euh, je vais regarder. Je pense que oui, hein, ils vont pas les, les lâcher comme ça. Ça dépend de ce que tu envoies en fait. Si c'est trop lourd euh, et que ça va. Enfin, ça dépend surtout où tu l'emmènes en fait. Quelle ambite tu vises. Mais euh, je pense qu'ils récupéreront tout. On va regarder. Hein. Alors, les deux boosters doivent revenir sur Landing Zone 1 et 2. Donc, euh, les deux boosters latéraux doivent se poser. Le premier étage central, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Bon, je vais enlever le, le son du Mission Control Audio.

Donc euh, mission de covoiturage, hein, la sixième de l'entreprise. Euh, oui Yannick, c'est des petites charges, des toutes petites charges, pour la plupart. La Falcon, c'est quand même une grosse fusée en vrai. Hein. On se rend pas compte, mais c'est pas une petite fusée. Hein. Oui Yannick. Bah du coup, c'est pas Jessie euh, Fling. Et salut Emilie. Merci Elisa, j'ai pas eu ton message. Il y, a du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ARN6 est déjà dépassé, parce que je pense déjà que ça sert à maintenir nos compétences et que par SpaceX, personne n'est encore sur utilisable en vrai. Bah t'as la table origin et t'auras Rocket Lab aussi bientôt. Hein. Et euh... Ariane 6, moi je pense aussi qu'elle est dépassée. Mais euh, Ariane... Euh, ah, on a un bug. Mais Ariane Group... Euh, Ariane Group travaille, sur, planche sur des solutions alternatives, mais... Oula, ça bug pas mal, là. Je sais pas ce qui se passe. Écoutez, je vais m'en mettre en 1080. Je sais pas ce qui se passe là. Je crois que l'étage numéro 1 est rempli, hein. On a perdu Lorian, bah non c'est juste qu'elle a des cours et qu'elle n'est pas toujours disponible pour être avec moi. Oh, on avait du retard là. Ah regardez euh, la zone d'atterrissage, rien. On risque d'avoir des belles images là parce qu'il fait très beau en plus sur place. Waouh! Ah, si, c'est un monstre de technologie. C'est pas dépassé en gros, c'est comme comparer un A350 et un jet privé. Et les fusées de Elon sont moins chères car réutilisables. Il y a aussi politique de taf. C'est clair. L Autre politique de boulot surtout. Ok, on se prépare au Storm Black Retract, donc vous allez voir. Euh je vais juste couper la voix de notre commentateur parce que j'aime bien <laughs> ne pas être perturbé entre guillemets. Euh, le petit mât, le petit crochet qui se situe sous la, la coiffe va se détacher et le petit mât, alors le petit mât, le grand mât ombilical qui ravitaille en ergole la Falcon va se décaler très légèrement avant de se décaler à 40 degrés lors du lancement. Merci David, merci beaucoup également et je vais me mettre euh, les communications juste comme ça on sera tranquille peut-on voir comment c'est fait un satellite euh, tu peux voir euh, je pense sur les comptes d'airbus defense and space euh, d'ohb je pense qu'ils communiquent pas mal je pense là dessus euh, après nous on voulait à un moment donné alors je sais pas si la personne qui passera par là hein, si tu passes par là euh, on attend ton, ton message. Mais euh, lorsqu'on s'était rendu. Alors, ça date. Hein, pour ceux qui sont nouveaux, ne savent, ne savent peut-être pas de quoi je parle. Mais lorsqu'on s'était rendu. Euh, un, on s'était rendu à un festival. Euh, en été 2000. À l'été 2021. Où on avait rencontré quelqu'un qui travaillait chez Airbus. Airbus Defense and Space. Et ce qui se proposait de nous faire visiter les locaux et tout. Euh, mais malheureusement. Euh, on attend toujours son message, quoi. <laughs> Mais euh, peut-être que cette année, on aura peut-être l'occasion de le faire. Hein, qui sait hein, On va, va peut-être entreprendre des, des projets sympas. On va voir. Peut-on en tant que particulier faire un CubeSat Je pense que oui. Euh, mais euh, tu le lances pas comme ça. Je pense qu'il faut des accords, des choses. Enfin, après, il te faut des sous aussi pour, euh, pour que ça soit lancé. Quoi. Il faut que tu payes le lancement, on va dire. Donc, euh, c'est pas donné. Mais il y a des petites entreprises qui vont commencer. Je crois que c'est rempli. Je pense qu'on est full là. Ouais, premier étage est rempli en oxygène liquide. J'ai pas compris, David. Salut Vega. Je vais me remettre le son de, de SpaceX. Donc le, normalement on doit avoir euh, en prochaine com le remplissage effectué pour le deuxième étage. Et dans deux minutes le lancement. Merci Hugo, toi aussi. J'ai fait la promo qu'il fallait. Hein. On est totalement rempli. 771 tonnes de poussée, les amis, prête à faire rugir cette fusée. Oh oui. On va battre tous les records cette année, je pense. Mais chaque année, ça sera exponentiel. Regardez ce trop plein d'ergol, incroyable. Il fait parfaitement beau. Hein. À mon avis, on va avoir de superbes images là. Non, non. Euh, voilà, donc il reste un peu moins d'une minutes. La Falcon est autonome sur son alimentation bord. Elle dépend de son énergie batterie maintenant. On se retrouve juste après et on va juste voir si le directeur de vol donne son autorisation au tir ou non et après on est go for launch. C'est parti. Bon vol à toutes et à tous. On se retrouve une fois que le véhicule est en ascension. À tout de suite les amis. T -30 secondes. Minus fifteen, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. 15 10 9 8 and let's the pitching down range 15 Good goals pitching down range stage one chamber pressure is normal Et re tout le monde, ouais, petit bug, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que. Alors je pense pas que ça vienne de moi parce que Mako, euh, tout va bien, je pense que SpaceX a un petit peu foiré. Euh, salut J2, ça fait longtemps, dis donc, ça date. Euh, ouais, premier bug de l'année. Écoute, euh, j'espère que ce sera pas, le, ce sera le dernier parce que pour le nombre de lancements qu'il y a à couvrir cette année, ça va être compliqué. Du coup, on est euh, Super Sonic évidemment. On atteint la période de max Q. C'est incroyable ce qu'on voit là. Je crois qu'il y a des petits soucis euh, chez SpaceX aujourd'hui là. Hein. Donc prochaine étape, ça va être le Miko. On va couper euh, les 9 flammes. Des moteurs 1 D, plus c'est magnifique là par contre ce qu'on veut. Wow. Waouh, la flamme est magnifique. Euh... On est à 35 km d'altitude. Regardez cette flamme, on dirait une fleur maintenant. Elle est immense. On a déjà atteint euh... un septième de la vitesse orbitale. Ouais, ça fait longtemps qu'il est pas venu, Quentin. Miko euh, imminent. Ah, cette flamme, comment elle est incroyablement grande. Donc, la première étage va se séparer. Hein. Il a fait sa séparation du volier depuis le sol Non. Ils ont du mal à nous la montrer, celle-là. Hein. Séparation du... du premier étage, le second étage va s'allumer, le joint va se libérer et la tuyère va rentrer en action. Regardez le premier étage qui va normalement effectuer son boost back burn, qui part vers le haut. Boom. On revoit à gauche. Hop. À chaque fois, il échappe au, au cadre de, des caméras. De quoi Hugo Incroyable. Donc regardez à gauche, on a du coup le, le premier étage qui euh, regagne la côte. Pendant plus d'une quarantaine de secondes, il va effectuer ce qu'on appelle le boost back burn. On a rallumé des moteurs, mais on un C'est pour regagner la, la côte, euh, Quentin. Je sais pas si t'as déjà joué à KSP par le passé, mais tu comprendras si tu joues. Boost back terminé. En fait, si tu veux, on est parti dans un sens, Quentin. Waouh Regardez les RCS. Et t'as déjà tenté de faire revenir des boosters ou pas Regardez à gauche, donc on a les grid fins qui se déploient, les grilles aérodynamiques en titane qui vont permettre au premier étage de se rediriger. Enfin en tout cas d'ajuster sa trajectoire correctement euh, dans l'atmosphère. Séparation de la coiffe effectuée à droite derrière moi. Regardez tous les satellites qui sont lancés. Il y en a un paquet hein. Donc ce qu'il faut, qu faut aussi vérifier c'est l'attitude du premier étage, là qui continue de monter avec l'inertie. Ça continue de monter, regardez, là on voit qu'il il était parallèle, là il commence à presque être à la perpendiculaire de la surface du globe terrestre. En fait si tu veux, tu vois quand on part dans un sens pour euh, envoyer une charge utile en orbite basse. J'ai juste coupé le son de notre, notre commentateur là. Quand tu envoies une charge utile en, en orbite basse, t'as besoin de beaucoup d'énergie pour la mettre en orbite, d'accord Mais quand tu reviens, quand t'as l'objectif de te reposer, de faire revenir ton premier étage, ton premier étage, il était avec l'inertie, il partait, il continuait de partir. Et donc si tu veux le récupérer, t'es obligé de rallumer dans le sens inverse de la marche, en rétrograde. Puisqu'avant, étais en prograde. Et donc pour ça, il faut que tu rallumes des moteurs en rétrograde pour revenir regagner ta barge ou ta côte, ça dépend de ce que tu souhaites faire et de la quantité d'ergols. Euh, que tu as à disposition dans tes réservoirs. Et donc, euh, bah ensuite, tu regagnes la côte comme ça en rallumant euh, pendant euh, x secondes, dépendant euh, de ce que tu as calculé, de ce que tu as mis dans ton ordinateur de bord. Quoi. Voilà. Donc, ça se passe bien. On est au tiers de la vitesse orbitale pour le second étage qui euh, fonctionne bien, qui est à 200 km d'altitude. Le premier étage lui a commencé sa descente. Donc, là, ça va être très joli parce que regardez, on a presque pas un pet de nuages. Ça va être magnifique à voir, je pense. 45 secondes à peu près mais ça dépend en fait ça dépend ça dépend chaque mission c'est pas euh, figé sur euh, Sur chaque mission euh, Je sais pas Yann Ah bah si si bah si bien sûr que si je suis bête ça peut être possible, je pense, euh, parce que déjà les deux boosters, ils gagnent la côte à chaque fois, les boosters latéraux. Mais je pense que comme euh, ils se séparent assez vite, à voir. Euh, je pense, inconnu, je pense. On va voir. Dans la timeline, je ne sais pas ce que la timeline après nous réserve en bas de votre écran. Là, on est parfaitement perpendiculaire. Regardez le booster comment il revient doucement. On se croirait sur KSP. Est-ce qu'on pourrait avoir le son pour le Sonic Boom? Ouais je vais vous le mettre. Donc le bang supersonic. Hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ah je connais pas ça. Euh, KFTS désarmé pour le deuxième étage. Donc là on pousse encore avec les RCS hein, dans l'atmosphère. Entry burn a commencé, on a rallumé trois moteurs Merlin 1D du premier étage pour éviter que ce dernier se consume dans l'atmosphère. C'est parti. Ça, ça dure une vingtaine de secondes, hein, généralement. Donc là, vous voyez qu'on a décéléré en bas à gauche. Merci, euh, René, merci beaucoup. Entry burn terminé. Waouh, là, on voit tous les pads et tout, c'est incroyable, vraiment. Bon, par contre. Euh on a le son, on a le son de la zone d'atterrissage. C'est assez drôle. Ok, on va augmenter un peu le son. La vue va être euh, incroyable, je pense. Oh, je vous laisse profiter. À tout de suite. On the right hand side of your screen, we've got a ground view of stage one. Mawa. You can see the center engine stage has one landing burn. We'll expect to see the four stage landing legs deployed for a soft touchdown at landing zone one. Now during this, we'll also hear a call out of second engine cutoff on the second stage. Sneak boom. Stage 1 landing, like deploy. Seiko. Stage 1 landing confirmed. So, landing is complete. We also heard a call out there for Seiko. Dominal parking orbit. Seiko is second engine cutoff number one. GG SpaceX, vraiment. Hein. C'était magnifique. J'ai eu peur même. On avait une petite pression là. Ce serait cru sur un essai Starship. Avec l'absence le, le, d'horizon là. C'était assez drôle. GGAE. Récupération aussi hein. 15ème récupération pour ce booster Le B1060 Et un station nominale pour le second étage Qui est coupé, qui est en orbite maintenant Elliptique hein, certes mais qui est en orbite Et On va avoir les déploiements hein, normalement C'est cool Et ça y est Donc là, ils vont, nous, ils vont nous laisser avec une petite coupure musicale, sauf que nous, on va évidemment rester et enlever cette musique. Euh, Puisqu'on se dirige vers le sud maintenant, donc vous voyez qu'on est déjà bah, quasiment euh, au-dessus du... Alors, je ne sais pas si c'est quel pays c'est, si c'est le Honduras, le Costa Rica. Je crois que le Costa Rica c'est plus haut. Euh, mais on passe euh, l'Amérique centrale. Déjà, c'est assez fou. Euh, super récupération en tout cas. Hein, de ce premier étage, c'était assez fou. Assez insane. Euh, franchement, euh, franchement, top-top. Et donc la prochaine étape va pas intervenir avant un bon bout de temps maintenant, puisque euh, ça nous, ça nous euh, profile jusqu'à T plus euh, que je vous dise pas de bêtises. 55 minutes et 20 secondes. On rallumera le second étage pour circulariser l'orbite, faire en sorte que l'apogée et le PSG aient la même altitude. Voilà. Merci ouais, Hugo. Merci, merci. Comme il le dit. Euh, Peut-être Panama, ouais. Alors je vous avoue que ma géographie d'Amérique centrale, c'est pas la meilleure. Euh que j'ai, enfin c'est pas mes murs géographie, je suis plus calé dans d'autres continents on va dire. Mais. Euh... Mais un fusil de l'histoire pour toi euh... Non, pour moi c'est Saturn 5 la un Fusil de l'histoire Je vous le dis. Euh, Saturn 5, N1 que. J'attends beaucoup notamment euh, d'un docu d'un célèbre youtubeur, à savoir technique spatiale, j'attends beaucoup son docu. Euh, je peux me permettre de faire de la pub pour lui parce que franchement il le mérite. Euh, et je pense que beaucoup d'entre nous euh, aiment et apprécient son travail. Hein. Euh, ouais, je dirais ces deux fusées-là. Je dirais euh, la Soyuz pour moi qui est emblématique aussi avec euh, avant tout ce qu'il y a eu avec Sputnik, Vostok, Vosrod. Euh, notamment d'ailleurs, Hugo a parlé hein, d'une émission Vosrod et pas Voskhod, hein, comme tu as dit, <laughs> euh, menée par Excel euh, Leonov lors de sa première EVA. Enfin, la première EVA de l'histoire. Le meilleur lanceur de l'histoire sera Starship, ouais, s'il décolle un jour. Hein. <laughs> Et le retard, 10 minutes trop tard, mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. La tête dans les étoiles. Bah, merci beaucoup, Adeline. Et à bah, toi également. Merci, prof. Pareillement. Bah, pas mal. ça c'est malheureusement les... les aléas du direct, j'ai envie de vous dire. Je préfère que ça arrive sur ce type de live qu'un autre live. Voilà. Juste à temps, bah t'es salut, salut ton gauche à Papa, comme tu vois. Salut, euh, salut Quentin. À la prochaine, espère qu on espère qu'on te reverra. Ciao, ciao. bon courage. Coucou encore une belle année de live à venir. Tous mes vœux pour 2023, toute l'équipe. Merci David, merci beaucoup. Starship sera le décollage vers Mars. Alors, à terme, il doit se rendre sur Mars, mais ce ne sera pas du tout son premier vol. Mais pas du tout. <laughs> Alors là, on y est très loin. Euh, tu as la Saturn 5 et toutes les missions Apollo sur Orbiter. Bon, allez, j'arrête. Mais je kiffe grave ce jeu, sérieusement. J'arrête de spam. Mais bon, c'est pas pour ça, car c'est gratuit, et vraiment géant. Mais il faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye. Euh. Salut euh, Jérôme. Salut salut. Merci à toi aussi. Donc voilà, donc là on va se retrouver pour une phase un peu euh, de croisière on peut dire. Et après normalement on devrait avoir tous les déploiements j'espère. Je vais aller voir d'ailleurs sur tuteur de SpaceX s'ils si ont communiqué là-dessus. J'espère que oui. Je vous avoue quand même. Parce qu'il y a quand même des, des, des sats français hein, dans le lot. Hein. Faut pas l'oublier. Alors... Bon par contre j'ai complètement oublié de faire ce que je devais faire. <laughs> Super. Euh, alors attendez, si vous pouvez juste me laisser... Alors attendez, juste euh, une minute, je suis à vous. Parce que je dois faire autre chose. J'ai un impératif pour le serveur Discord on va dire. Que je n'ai pas honoré. Et ça c'est pas bien. Hop. Tac. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être que si Hugo il peut, il peut peut-être vous répondre. S'il peut, bien sûr. Je veux pas l'embêter avec ça. Euh, mais euh, mais n'hésitez pas. Vraiment. Ça, si vous avez des questions. Lâchez votre petit like aussi. Vous êtes 300 sur live. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, ça vous aide. À partager ce live, partager la chaîne. activer la cloche. Les réseaux sociaux Instagram, Discord, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn. On est présent partout. Euh, donc voilà. Si vous pouvez le faire, ce serait génialissime. C'est déjà un immense soutien. Voilà c'est ça que je voulais faire, que je recherchais. Donc du coup ce que je voulais faire c'est ça, ensuite hop j'ai été pris de court là avec, euh, avec ce bug justement là qui m'a un petit peu mis dans tous mes états intérieurs on va dire. Le Starship, c'est la seule solution à long terme, mais court terme, la NASA aurait dû miser sur un atterrisseur plus classique pour Artemis comme Lumuno. Euh... Oui, mais euh, de toute façon, la NASA a sélectionné Starship comme atterrisseur principal, mais a également demandé maintenant à ce qu'il y ait un backup, un deuxième atterrisseur. Donc. Euh, Blue Moon et enfin, en tout cas, la National Team euh, va s'activer pour faire ce, ce backup, je crois. et euh, Du coup, il y aura deux atterrisseurs, enfin, il y en aura un et un autre si ça marche pas, quoi. Si le premier marche pas Et c'est pas mal en vrai de procéder comme ça. Et la récupération des demi-coiffes, bah là, on verra rien, je pense. Bah après, euh, sur KSP, euh, c'est déjà assez poussé, hein. Aïs, hein. Euh, pas plus que ça, Jérôme, je crois. Je t'avoue que je n'ai me... pas eu le temps de me renseigner. Euh, voilà, alors. Du coup. Euh... Hop. Excusez-moi, les amis, je me dépêche. Je me dépêche, je me dépêche. Non, je crois que c'est là. Hop, voilà. Je vous lis juste après. Voilà. Et... Euh Hop, et, euh, et aussi j'avais autre chose à vous montrer d'ailleurs, dont je ne vous ai pas parlé euh, lors de, du prévol, on va dire, que je vais vous dire après, qui concerne justement euh, le second étage et qui concerne aussi euh, un autre élément du lanceur. Mais en tout cas, la récupération était impressionnante là, enfin, en tout cas, l'atterrissage, je veux dire. C'était assez sympathique à hein. regarder. Je vais nous remettre peut-être un peu de musique aussi. Peut nous aider. Voilà sur le Discord j'ai mis toutes les phases intéressantes si ça vous intéresse aussi aussi pardon dans l'actuel lancement pour ceux qui nous suivent sur le serveur. Euh, Alex question les fusées en Chine c'est vrai qu'elles sont en méthane alors pas toutes loin de là on en a euh, avec des argols toxiques euh, malheureux avec euh, notamment euh, du diméthylhydrazine et euh, du peroxyde d'azote hein, ce qui est extrêmement nocif d'ailleurs pour l'environnement et pour euh, l'homme hein, en général. Et notamment une longue marche qui est retombée encore une fois dans un, dans un village là il y a quelques jours. Donc c'est vraiment euh, affreux. Moi je trouve ça désastreux, mais bon. Je crois qu'ils n'ont pas encore compris. Euh, ils n'ont pas encore compris. Euh, si j'ai bien compris, le moonship fera la navette entre la gateway et la surface lunaire. Tout à fait, Tango Charlie Charlie papa, mais lui, lui il refait le plein camp. Alors il y aura un ravitaillement en orbitant, hein, terrestre. Euh, avec un starship tanker qui ravitaillera le moonship. Voilà. En orbite. Je sais pas comment ils compte s'y prendre, mais ça va être super sympa de suivre ça. Je te dis, KSP, c'est vraiment du jeu d'arcade à côté. Ici, c'est bien plus beau car c'est la Terre en HD 4K et toutes les planètes du système solaire. Après, KSP2, à voir ce qu'il va donner. Hein. Attention. Hein. Mais du coup, par rapport à l'ISS, oui, ce qu'on avait dit, c'est que SpaceX se proposait. Euh euh, alors je c'est plus SpaceX, je crois que c'est la NASA qui a fait appel à SpaceX justement pour que euh, ils envoient une Crew Dragon à vide et je crois que SpaceX euh, doit répondre ou alors euh, enfin, voilà, a, on est dans, ce, dans cet esprit là pour l'instant. Ouais, c'est clair Hugo. Ça changera mais pas maintenant quoi. Enfin pas, pas dans les 5-10 prochaines années, quoi je pense. Ah bah ouais et je pense qu'il y en a eu déjà hein, malheureusement euh, Je sais pas ça ça tu vois Là tu me poses une petite colle Mais après euh, savoir c'est ce que à savoir euh, SpaceX a quand même sélectionné le méthane Pour son Starship donc s'ils l'ont fait c'est qu'il y a Des raisons et c'est aussi pour En produire je crois sur Mars D'en récolter donc euh, je crois Qu'il y, y a aussi euh, Il y a aussi cette raison là hein. Je te le souhaite, Zitouni. Tu pars sur Dear Moon, c'est ça <laughs> Merci à tous ceux qui ont joué le serveur, d'ailleurs. Le serveur Discord, merci à vous. Vous gérez. Je crois que mon chat euh, il s'est pas chargé. Attendez, je vais relancer mon logiciel euh, qui va bien. Parce que du coup, je peux pas sélectionner vos questions. Est-ce qu'au de temps avant le déploiement Je crois qu'on est assez loin encore. On est peut-être à une trentaine de minutes, je dirais. On est à. 36 minutes. Le premier satellite va être déployé à T58 minutes. Donc, euh... ouais, il faudra revenir vers 17h, je pense, si vous souhaitez voir ça. mais Sinon, restez, hein, par contre, restez. <laughs> Euh... Ouais j'ai vu euh, j'ai vu Combien de décollages cette année je crois qu'ils visent sans lancement SpaceX si je me trompe pas Il faudrait voir tout ce qui est déjà dans les euh, tiroirs on va dire ce qui est planifié Ouais, je crois que c'était avec ce propos-là qui décriait un peu le Starship. Il a fait une vidéo où il a vraiment, pas enterré le Starship, mais presque quoi. Et sur certains points, vraiment, il avait raison, Arnaud. Euh, pas plus que ça, Gassien, mis à part le fait qu'il y aurait peut-être une crew dragon qui sera envoyée à vide pour aller chercher euh, l'équipage de, 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 qui est concerné, en tout cas. Euh, je pense pas Zitouni, je pense pas du tout. Et voilà, vous avez nos réseaux sociaux aussi qui sont dans le chat, si vous souhaitez les suivre, il y a Nightbot qui vous les donne. P6 de faire Uber pour les Russes. <laughs> bah après en soi ils ont mené déjà une cosmonautruse hein, avec crew 5 hein, donc euh, ils ont déjà bah, maintenant l'expérience on va dire la jeune expérience. Ouais voilà c'est bien ce que je me disais Ah oui, voilà, je sais ce que je voulais vous montrer. Euh, pourquoi SpaceX ne fait plus de sur Terre aux images Ouais, ça dépend des trajets. Bah oui, ça dépend des trajectoires et ça dé parce que en fait, quand tu pars vers le sud, t'as pas vraiment de barge au sud. La barge elle est plutôt, tu sais, à l'est. Donc euh, ça va pas être très efficient et économe en matière de carburant pour, les, pour SpaceX pour les boosters. Et puis, vous euh, voyez, ça dépend de l'orbite que tu vises, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Peut-on quantifier le nombre de satellites encore en orbite euh, Tu as un site pour ça, mais il faut vraiment que je le retrouve. Je vais vous le retrouver, je pense, pour les prochains lives parce qu'il est super intéressant. Euh, mais il y en a, il y a beaucoup de satellites, beaucoup trop. Mais Euh, si, si, tu peux, hein, CAF normalement. Tu peux, hein. Euh, du coup, oui, je sais ce que je voulais vous montrer. <laughs> euh, en fait. Euh, alors, maintenant, c'est passé, mais c'est plutôt cool d'en parler, je pense. On a ici, sur cette première image, en fait. C'était la zone euh, d'atterrissage d'urgence, on va dire. Euh, alors attendez que je ne me trompe pas. En rouge, en fait, c'est là où le premier étage aurait dû... Enfin, euh, si le premier étage n'avait pas effectué correctement sa manœuvre de booster backburn, c'est là où il serait retombé. Donc d'où l'importance de bien effectuer cette manœuvre, sinon, bah... Votre booster, euh, vous mettez un temps pas possible à le récupérer, quoi. Et en vert, je crois que c'est l'insertion nominale ou en noir, je ne sais pas. Correct, euh, orbital. Et ici, on a la zone de désorbitation du second étage. Donc c'est là qui va se couper, enfin qui va surtout s'allumer dans le sens inverse de la marche pour euh, ensuite euh, rentrer dans l'atmosphère quelques temps après. Voilà. <laughs> bah ouais Youssouf, attends, qu'est-ce que tu crois <laughs> J'ai pas compris de Chiro. Et les coiffes sont-elles récupérées Alors pour aujourd'hui, euh, concernant les coiffes qui ont volé, euh, j'ai pas fait attention, je vous avoue, je pense que c'était des anciennes. On sait pas du tout, je sais pas. Je peux pas vous dire. J'ai pas l'information en tout cas. Oui, Aïssa. Salut Stéphane. Euh, où est-ce qu'elles sont récupérées Ah, où est-ce qu'elles sont récupérées après les coiffes J'ai pas compris. Euh... Ah, c'est au nord de Cuba, autant pour moi. C'est ici qu'elles sont récupérées les coiffes. Je dit n'importe quoi. En vert. Euh, si je vous montre, c'est mieux. En vert, c'est là où euh, on récupère les demi-coiffes. Là, c'est l'insertion en noir. C'est le second étage et son trajet. Et en rouge, c'est euh, si le premier étage n'avait pas effectué son boost back burn correctement. C'est là qu'il aurait euh, améri voilà. Enfin, même, je crois qu'il y a même un atoll. Hein. Mais je connais pas du tout Shirou. Euh, moi je connais pas. C'est peut-être très connu, mais je connais pas. <laughs> longtemps que deuxième étage est récupérable non, ils ont jamais récupéré leur second étage euh, SpaceX et c'est justement ce qu'ils souhaitent faire avec euh, Starship il voilà. y a aussi Blue Origin qui avait ce projet là euh, deuxième étage réutilisable avec Jarvis mais je sais pas où ça en est hein, franchement. salut euh, Laurent Houtan ces nouvelles musiques, Alex Non, c'est les musiques de Team des Todd, David Astronaut que vous pouvez retrouver en description, qui nous met à sa disposition, enfin qui, qui, met, à notre, qui met à la disposition de tous concrètement, euh, puisqu'il n'y a pas de, de normalement il n'y a pas de copyright sur ces musiques là, donc euh, on est assez tranquille. Trop cher, ouais, je pense c'est trop coûteux. De... Par contre, il y a une entreprise qui va, qui euh, souhaite faire ça, c'est Stroke Space récupère le second étage avec un bouclier thermique et des petits moteurs et franchement c'est assez prometteur et eux ils avancent très vite donc j'ai hâte qu'on puisse suivre ça Non non ça n'a pas eu lieu Ibrahim, ça va arriver regardez vous avez là en bas à droite la, la timeline qui avance ça pendant la fin genre ils sont pas loin de la fin du, du dev. Il euh, n'y a pas de Starlink je crois aujourd'hui Stéphane il me semble mais les Starlink on n'est pas loin des 4000 maintenant ah, ils sont chauds c'est une boîte à mon avis que, qui va être très très sympathique à suivre aussi s'ils communiquent bien aussi ça devrait le faire Donc voilà. Allez sur notre Instagram les amis, Hugo a mis les plus beaux instants euh, du lancement. Donc euh, allez donner de la force à notre Hugo s'il vous plaît, il se donne beaucoup de mal pour vous et nous. Voilà. Et lui-même également. <laughs> Parce que je sais qu'il se kiffe faire ça donc. Normalement oui euh, Shiro. Je dis bien normalement. C'est pas grave Hugo, on sait que tu as fait un montage incroyable derrière et que les gens vont kiffer. Je vais aller voir d'ailleurs. Merci d'ailleurs pour les follows sur Twitter également. C'est cool. On grossit aussi sur Twitter, là, pas mal, ces derniers temps. Y a-t-il un âge pour être passionné de fusée Bah non, clairement non. Je pense que c'est une passion qui est multigénérationnelle, clairement. Je pense que c'est une des passions... Euh... Je crois que c'est une des passions où t'as le moins de... Comment dire Qui est la plus multigénérationnelle, quoi. Avec la musique, avec... Euh... Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre J'allais dire la lecture, mais bon... Moi, j'aime bien ça, mais il y a des gens qui n'aiment pas, hein. Mais... Euh ça les voitures, euh, je pense que tout ça c’est assez multigénérationnel. Bah, tiens, Hugo, Hugo as... Je, je sais pas si t'es encore sur le chat. Mais on a vu que récemment, Hugo, d'ailleurs, vous a fait. Il vous fait souvent des petits sondages en story. Euh, et il avait demandé ce que vous attendiez le plus pour 2023 en matière de spatial. Qu'est-ce que déjà vous, vous attendez le plus dans le chat Et qu'est-ce que toi, Hugo, tu attends Voilà, et hop, je te pose la question parce que tu te poses des questions, mais on n'a pas ton avis, toi. <laughs> C'est très bien. Allez, Hugo, allez! Ah oui! Ouais, prime Bien sûr que c'est génial ce qu'il fait. Mais il faut que vous partagiez ça autour de vous pour que ça touche encore plus de personnes. Parce qu'il se donne un mal, euh, bah, vous imaginez pas, euh, c'est des heures, des heures, des heures. Il compte plus ses heures, le Hugo, hein, je vous le dis. Ouais, c'est clair. La Vulcane, je l'attends hein, quand même aussi. Hein. Ah ouais, Nico Ok. Ah ouais, Ryzen. Quand même. Bon, bah moi, vous savez ce que j'attends. Hein. Clairement, je crois que c'est pas compliqué de deviner. Alors, New Glenn, je vais pas... Casser ton rêve hein, mais je pense que pour 2023 c'est un peu mal parti. Vis à part si vous mais vraiment les bouchées double, triple, quadruple, je pense que ça va être compliqué cette année. Starship bien sûr, et oui. Et oui. Il y a quand même des missions intéressantes en plus. Franchement, il y a, il y a des lanceurs, mais il y a aussi des missions intéressantes. Ce qui fait que cette année, ça va être vraiment intéressant, je pense, à suivre. Et après ça va faire que de s'amplifier parce que 2024 Artemis 2 et derrière on retourne sur la Lune. Donc là les, les 3-4 prochaines années vont être très excitantes je pense. Et bah tu peux... Merci pour Hugo. Merci Scrat. Lanceur de Virgin tu parles de Galactique ou Orbite Pas tout. Parce qu'il y a deux filiales hein. Euh, non, Ryzen a décollé à bord d'une Vulcane. Je sais pas du coup s'ils vont envoyer sur Atlas, je crois pas. Hein. Je vais regarder, mais il me semble que non. Non, c'est que des Vulcanes. C'est 6 Vulcanes déjà qui sont prévus. Il y a déjà 6 vols de Dream Chaser qui sont prévus. En soi c'est dommage parce que... Mais bon, en vrai c'est cool. D'autant plus cool, quoi. Et euh, Hugo, tu sais si... Parce euh, que je sais que toi, tu T aimes bien les BE4, hein. Est-ce que tu sais ou non s'ils comptent récupérer les BE4 direct à Blue Origin ou pas, avec euh, la manière de Loftid Ce serait incroyable, ça, d'ailleurs. Enfin, ça, s'ils arrivent à faire ça, en vrai, c'est une prouesse, mais insane, quand même, les nouvelles de Blue Origin, bah plus trop. Plus trop, malheureusement. Je pense que l'échec le, là leur a fait mal. Euh, occupé on sait pas, Falcon 9. Non, les CT et ils ne sont pas lancés par Falcon 9. Mais par New Glenn, Ariane 6, RS1, Vulcan. On euh, va chercher le dernier. Elle va où à cette vitesse Cette fusée, elle va en orbite. Euh, tu parles de laquelle euh, Issa, tu parles de la Falcon Combien de valeurs vitesse cette année Moi, je parie sur 4. Euh, si on pouvait déjà en avoir un, ce serait bien. Donc, moi, je dirais 1. Ah, il t'a répondu, Akaf euh, Hugo. Galileo, on a des nouvelles. Je crois qu'on va avoir des nouveaux vols Galileo cette année aussi. Hein. On va en avoir pas mal d'ailleurs sur euh... quel fusée chip. Ah. Alors, normalement, ça doit partir en décembre 2023 sur Ariane 6. Ça doit normalement, avec des pincettes. Hein. Donc ça se trouve, ce sera pas avant 2024, je pense Galileo. Je veux pas porter la poisse Ariane Group, mais. Euh... Là on est déjà au pôle sud, hein. c'est assez sympa. On est déjà en Antarctique. Je confie multigénérationnel. Moi je regarde les lives et mon fils de 7 ans regarde les replays. Je viens de le récupérer de l'école à l'instant, il va regarder les décollages avant les devoirs. C'est incroyable. Non mais après, <laughs> j'allais faire l'éducation. Après les devoirs. Non mais c'est super sympa. Merci beaucoup euh, Marion. Merci, c'est énorme. On adore les témoignages comme ça en plus vraiment ici, c'est transmettre la passion, c'est un de plus beau moi je trouve. Qu'est-ce que ça va être quand on va repose, faire poser des hommes sur la Lune Ça va être. waouh waouh waouh. Wow. Ça va susciter tellement de vocations quand même à mon avis à ce moment-là, c'est. Et tant mieux, hein. Tant mieux pour les sciences, tant mieux pour le technique, tant mieux pour euh, le progrès et, et le futur. Déploiement des SAT dans 16 minutes, il me semble. Oui, dans 16 minutes. Oui, les EVA via Crew Dragon aussi, avec Polaris. Normalement, ça interviendra d'ici quelques mois, hein, quelques semaines, quelques mois, ça. Donc, euh, on a hâte. Hein. Ça va être très impressionnant. Là j'espère qu'on va avoir des caméras à mon avis qui... Oh là là, imaginez les plans de caméras qu'on va avoir. Imaginez deux secondes. Ça va être dingue. Mais tu fais bien d'en parler, Facube. Et tant mieux pour nous aussi, ouais, c'est clair. C'est clair, C'est euh, un cycle, enfin c'est un rouage et euh, c'est top quoi, si ça se passe comme ça. Pourquoi on ne déploie pas les satellites à la suite du déploiement des nikov Parce que... Euh, C'est des tout petits sat pour la plupart qui n'ont pas... Qui ont pas de moteur, hein, qui n'ont pas de propulsion. Et du coup, si, bah, ils ont une orbite quand même de travail à aller chercher. Euh, pour laquelle les opérateurs euh, les ont conçus. Les ont développés. Et donc euh, tu peux pas les lâcher comme ça. Tu dois d'abord euh, euh, faire en sorte que ton orbite soit propre, c'est-à-dire avec un, que ce soit un cercle parfait autour de la Terre. Voilà, je pense que tu comprendras, mais c'est comme ça que ça doit se, se dérouler. Et après, il y a certains satellites, tu peux les lâcher avant, mais là autant tous les lâcher comme il faut convenablement, comme ça tous les clients ils sont contents et euh, l'occasion SpaceX l'est également. Allez, réparable. Alors ça c'est autre chose, hein, ça. Mais c'est un autre projet ça avec la Crew Dragon de réparer Hubble, le télescope spatial Hubble, euh, mais ça c'est en discussion et on devrait en savoir dans les prochains mois. Mais ça d'ailleurs ça va être intéressant de savoir ça aussi. Mais on en avait parlé euh, en septembre dernier sur la chaîne. Et il me semble que ça devait au minimum prendre six mois pour qu'on ait une décision, un début de, de quelque chose, quoi. Donc je pense qu'on en saura plus euh, à la fin du Q1 2023, quoi, à la fin du premier trimestre. C'est aussi SpaceX a prévu des pièces de remplacement en cas d'accident au rattrapage. Euh, oui, ils ont de quoi faire de toute façon, je pense. Ah bon, Mekazila Euh... Bah je pense pas. Mais après, euh, alors ce qu'il y avait... D'ailleurs, je sais... Je sais même pas si on a pu élucider cette question, il faudrait que je m'y penche. C'est qu'en fait, si vous voulez, il y a une tour qui a été construite à, à Boca Chica, au Texas, donc là où euh, normalement les futurs tests orbitaux devraient avoir lieu, on espère, et donc pas trop longtemps, parce que ça commence à faire près de deux ans bientôt qu'on n'a rien eu, hein, on va pas se le cacher. Donc il y a une tour là-bas, donc de récupération, de lancement, et il y en a une autre qui est en co-construction et qui va bientôt être terminée euh, au pas de tir 39A à cap Canaveral. Mais. Ils construisent aussi une autre tour. Donc est-ce que cette tour euh, eh bien servirait de remplacement à une tour en cas d'échec Ou est-ce qu'ils vont la positionner sur un autre pad Lequel Ça on sait pas. Et ça c'est la grosse question. Et ben, je pense pas que ça vaille la peine. Il a fait son boulot. Et pour ça, il faudrait mettre un équipage qui puisse sortir dans la capsule. Ce qui n'est pas possible à ce stade. Bah ben justement c'est ce qu'ils vont tester avec euh, la première mission du programme Polaris en avril prochain je crois. Donc ils vont rien faire, ils, ils vont rien faire. Il va y avoir notamment des expériences qui vont être faites. Hein, euh, en plus des EVA, mais voilà, ils vont euh, préparer un peu le terrain, on va dire. Euh, je sais pas du tout, Bertrand. Je sais pas du tout. Je pense que tu peux. Te... Je pense que tu trouveras ta réponse sur, euh, en recherchant bien. Le fait encore le taf. Oui, bien euh, il est en fin de vie, hein, on va pas se mentir. Il n'y a pas une récolte de fonds pour ce mobile Je crois pas. Je crois pas. Je pense pas. Ouais, je pense aussi, Hugo, je pense aussi. Ah ouais, bien vu, tant que papa, pas c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, en plus, alors ça, c'est autre fait aussi, c'est que euh, les baguettes, donc les chopsticks, les, les petits... Les bras hein, de récupération de la tour des casillas, sont plus petits en Floride qu'au Texas. Et je pense qu'il y a une raison, c'est que... Euh, ils veulent peut-être juste récupérer le, le premier étage et pas le second à cet endroit. Et peut-être que du coup, ils doivent construire une autre tour pour récupérer le second. Et peut-être que l'autre tour va être plus au sud ou euh, plateforme pétrolière. Je sais pas si les plateformes pétrolières sont toujours euh, d'actualité. Hein, des Moséphobos qui avaient été rachetés par SpaceX. Mais euh, on n'est pas encore au bout de nos surprises hein, quand même avec cette entreprise, moi je vous le dis. Le bientôt est remplacé par Roman, c'est ça. Hein. Qui sera d'ailleurs lancé par euh, Falcon Heavy, je crois. Si je ne me trompe pas. Je ne veux pas me tromper. Je crois que oui, c'est ça. C'est Julien 8, oui, un petit peu en retard, oui. Bon, tu n'as tu vas, tu pas raté les déploiements, mais tu as raté tout ce qui s'est passé avant. James Webb la relève. Oui, mais James Webb, euh, il n'est pas en orbite basse. Hein. Il y aura un autre télescope qui va opérer, je crois. Euh, alors, je, je sais pas si Roman va opérer en orbite basse, par contre. faut que je regarde. Et euh, sachez que euh, James Webb ne remplace pas totalement Hubble. Hein. Ils n'ont ils pas les mêmes euh, objectifs. Hein. Enfin, du moins, ils ne voient pas dans le même euh, rayon. Enfin, dans les mêmes. Euh, enfin, vous m'avez compris, quoi. Il y en a un comme ça dans l'ultraviolet et l'autre dans l'infrarouge, quoi. Et le Roman Space Telescope. Ah non, lui sera envoyé en orbite héliocentrique. Ouais. Bon. Pas avant 2026, le hein, télescope Roman. Falcon IV. Euh, je sais pas, est-ce que tu parles du VLT peut-être Il y a combien de clients qui ont signé xp pour les satellites euh, je crois qu'il y en a euh, peut-être une cinquantaine, une trentaine, cinquantaine, je sais pas. Je sais pas du tout. Merci euh, Tango Charlie. Mais du coup, si j'ai pas son nom et ça, je peux pas te dire, je t'avoue. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Et d'ailleurs, euh, je sais pas si vous suivez NASA Space Flight, hein, si vous le faites pas, je vous recommande parce que bah déjà super chaîne. Et euh, c'est des gars vraiment passionnés, impliqués, et voilà, hein, ils kiffent ce qu'ils font, et nous on est un peu dans cette, cette approche-là. Et ces derniers ont fait, ils ont fait une vidéo sur le. sur Roman, sur le télescope Roman, ils ont interviewé l'un des. Bah, un astrophysicien hein, qui a je crois travaillé dessus d'ailleurs. Et c'est super intéressant. Vraiment. Euh, alors la vidéo a date, il y a six mois, je pense. Mais c'est très 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 intéressant et c'est toujours d'actu jusqu'à ce que ça décolle. Donc euh, voilà, dans les trois prochaines années, vous avez encore le temps de vous documenter quoi. Du VLT. Euh, on a vu des choses sur le VLT euh, parce qu'ils avaient découvert, euh, je crois. Euh, ils avaient eu, il y avait eu euh, des découvertes sur euh, Sagittarius à l'étoile et d'autres et autres. Enfin, en tout cas sur ce trou noir. On en avait parlé lors Cap Mais euh, depuis, euh, j'ai pas trop d'infos, je vous avoue. Donc là, on, a, on, a, on approche pardon, doucement euh, mais sûrement de la prochaine étape qui va intervenir dans 4 minutes, qui va consister à rallumer durant 2 secondes seulement euh, le second étage. Et vous allez voir en bas à droite l'altitude qui va et aussi la vitesse qui vont, euh, qui vont augmenter logiquement. Merci en tout cas pour vos likes. Merci beaucoup. Ouais deux secondes, c'est fou. Hein. C'est fou. Mais ça suffit, quoi. Mais j'ai bien vérifié puisque l'autre fois j'avais <laughs> j'avais dit ça et je m'étais trompé. Non, 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 là j'ai. Je... Là, <laughs> c'est clair Hugo, c'est clair. Mais là, c'est. Voilà. Ça se fait dans 6 minutes, Marie. Euh. Non, JP, parce que. En fait, euh, c'est pas des chips conçus pour le même objectif. C'est-à-dire que le chip lunaire il va aller à la surface lunaire, revenir sur la, 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 la gateway et basta normalement. Euh, Puisqu'il a pas de bouclier thermique, il peut pas euh, revenir sur Terre normalement. Enfin, après, SpaceX peut changer ses plans, hein. Et euh, les ships, les autres ships qui reviennent, c'est les ships, euh, il me semble juste les ships crew et et peut-être cargo, mais les ships tank et les, les ships lunaires ne reviennent pas quoi. Et euh, en fait, au départ, il était prévu effectivement que le, alors le ship, je sais pas, mais il était prévu que le Super Eevee en tout cas, il ait des pieds pour se reposer. Sauf que SpaceX s'est dit ça coûte trop cher, donc on va les le récupérer avec des baguettes quoi. Euh, oui il est au boulot euh, David, il est au boulot. Non et puis c'est pas, euh, pas encore fini, je pense qu'on a au moins une petite quarantaine de minutes encore. Et après on va se laisser là-dessus. Ah oui, oui, on en est loin, on en est loin. Mais après, ils sont super nombreux à SpaceX, hein. Ils sont, je sais pas, moi, au moins 10 000 employés, et ça va faire que de monter. Moi je m'inquiète pas. Hein. Je vous le dis... Euh Certes, bon, il y a des choses qui sont peut-être contestables hein, chez SpaceX, hein, euh, même beaucoup. Mais euh, moi, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que c'est pour moi le, le, aujourd'hui le partenaire numéro un de la NASA, hein, en matière en tout cas de, 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 de prestations. Enfin, l'un des, des partenaires principaux. Il y a une confiance qui s'est installée et je pense que SpaceX va perdurer, euh, mis à part gros déboires, mais, mais SpaceX va... Pour moi, s'installer va être un gros gros leader, quoi. Vraiment à l'avenir. Il va, va proposer des belles choses. J'espère en tout cas. Comment ça, j'ai loupé le burn C'est à 55. 55. 20. Ah oui, j'ai loupé en bas à droite. Bah, pourquoi il... ah, oh, time to get my telecommunication. bien joué, euh, bien joué, gueux. and so far, we lifted off on time at 9.56 a.m. eastern. recovered our first stage at landing zone 1 and completed the first of two second stage burns. now we're coming up about 20 seconds away from a quick reignition of our merlin vacuum engine. Ou alors, non, là, c'est qu'il a atteint l'apogée, il va allumer là. Pour justement euh, augmenter le périgée de l'autre côté. Hop, rallumage. Ok. Hop, extinction. <laughs> c'est rapide. Hein. Donc, en fait, là, si tu voulais, ça a juste gardé cette altitude là. Parce qu'en fait, le, le second étage était en train de monter. Insertion nominale. Donc en fait, on était, je pense déjà sur une belle ascension, ce qui fait qu'on est monté à 530 km d'altitude. Euh, on était en fait en train de rallier l'apogée, hein, concrètement le point le plus haut de l'orbite, avec l'inertie de départ. Et euh, en fait, on a allumé pour augmenter le périgée le point le plus bas derrière, euh, à l'opposé, pour faire en sorte que l'orbite soit circulaire. Voilà. Moi pour moi c'est ça. Après ça peut être un bug, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Fabriqué, trafiqué chez SpaceX, mais voilà. Missions, SpaceX is at least three orbit missions. Oui, et puis euh, il voilà, y a aussi le fait qu'il n'y a pas de station aussi. C'est ça qui n'aide pas. Parce que Ibrahim, oui, bon, c'est la mécanique orbitale. Voilà. On a aussi des Picosats hein, dans le lot. J'avais oublié de le préciser ça. Alors c'est pas de la neige, hein, Youssouf. c'est juste en fait... Euh, tu sais, quand on a rempli la Falcon en ergol, donc en carburant, en comburant, euh, en fait c'est tellement froid dans les réservoirs. Que ça s'échappe, enfin du moins il y a de la condensation qui s'agglomère autour du lanceur, qui se répand et qui se, aussi s'agglomère se, à la carlingue, à la structure de la falcone. C'est froid, ça se réchauffe un peu avec l'air ambiant, mais ça se refroidit, ça se resolidifie en fait une fois que tu t'es euh, euh, dans la partie sombre de la Terre, donc à moins 150, moins 200 degrés Celsius, ce qui fait que tu as des gros morceaux de glace devant toi qui... Euh, qui passe, mais c'est pas du tout anormal, hein. ça arrive souvent. Donc on va avoir des déploiements là, hein, du coup. Mais ça veut dire à quoi le satellite Il y a plein de satellites, André. Il y a beaucoup de satellites. Il y a un peu de tout euh, d'études de nouvelles propulsions, euh, euh, suivi des, de bateaux en mer, euh, éducation, enfin il y a plein plein d'applications. Vous avez une liste de payloads sur SpaceX.com si vous voulez suivre. Mais pour maintenant, nous allons écouter en sorte que la séquence de payload est en train de commencer. Ok. Donc les déploiements vont intervenir. Alors je vais peut-être mettre ma cam à droite, moi quand même, pour que ce soit plus joli pour vous. Ok, le premier c'est séparé. Alors c'est euh, Kuwait Sat-1, donc le satellite de Kuwait, je crois, si je ne me trompe pas, qui est parti. Alors il a dû partir à gauche. BDSAT 2 déployé, donc après le prochain ça va être ShardSAT 2211. Je sais pas si tous. Vont... ah regardez, comment ça à partir. les Lemur2 qui est parti. Il y en a deux des Lemur2 normalement. Hop là. Donc les Lemur2 sont partis. Il y a les Connecta, Gamma, il y a Gamma notamment après, qui est français. Voile solaire, il y a aussi une petite voile solaire hein, dans l'eau. Il y a plein plein de choses intéressantes. Mais j'ai pas, euh... pas tout, malheureusement. Euh... Et puis j'ai pas effectué les recherches nécessaires, hein, on va pas se mentir. Parce que 114 satellites, ça fait beaucoup quand même. Là, c'est un roman. Hein. <laughs> Comme le télescope d'ailleurs. Quel diamètre de la parabole euh... C'est immense là ce que tu me dis, Bertrand. Ce que tu me demandes. Pour moi, c'est un visionnaire avant tout. Euh... David. Combien ça t'est comme ça 114 Bon courage <laughs> Par contre, là, on sait plus ce qui se déploie. On n'a pas de com. Bon, de toute façon, on va bien entendre. Ah Gamma Alpha qui se sépare, Ok. Bro8, donc les deux Bro8 d'Unseed Labs Gamma Alpha de. Donc ces deux-là, ce sont des CubeSats français qui ont été en déployés. Minute. Après, il y a Huygens, Huygens, On a Note les tout après. Lémurtout. Hop là. Ça va vite. Hein. C'est excellent comment ça part, je trouve. sont pas déployés dans l'ordre que j'ai là, c'est un peu relou. Ah, je crois que c'est Steve Livers, mais je suis pas sûr. Ah, Starvibe, pardon, Starvibe, je le vois. Ok, les murs, tout encore. Merci, Ibrahim, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao. C'est des CubeSats, Shiro. C'est des tout petits satellites. Ils sont forts SpaceX quand même. Il faut comment pour les éjecter Bah je pense que t'as un ressort ou t'as quelque chose qui fait que t'as un mécanisme quoi. Bah, ils ont plein de fonctionnalités, Chirou je les ai pas toutes, malheureusement. Bah, t'as des petits satellites qui te servent, euh, notamment à but éducatif, notamment un but. Euh, tu vois, tu sais, c'est cher de faire un gros satellite. Donc, quand tu peux en faire des petits miniaturisés, c'est mieux quand t'as pas des immenses besoins. Euh, voilà, la surveillance maritime, des petites voiles solaires, euh, des, des nouveaux modes de propulsion. Il y a plein, plein, plein de choses. Space B 156 167 Space B, après Birkland après on va avoir les murs euh, MMOLO -M -O -O. Bah pour euh, notamment euh, avec des euh, magnétomètres des euh, thermomètres pour euh, pour, euh, pour des étudiants voilà Étudiants d'université Ah, perte de signal. De toute façon, tous ces déploiements là doivent euh, intervenir jusqu'à eh euh, 17h27, donc pendant encore un peu moins de 30 minutes et après on se laissera. ISI launch, Clios KSF-3B, separation confirmed. un paquet de satellites hein. salut euh, chat merci toi aussi ok si on en est dans la timeline c'est cool Ah, il y en a plein des z e en plus. Ouais, il doit y avoir des crochets, oui. Mmh, mmh, mmh. Effectivement. Je pense à ça aussi, ouais. Ça marche, merci, pas, pas tout, ciao, ciao. ciao. comment ça euh, ça j'ai pas compris ta question Ouais Bon courage euh, Malia. Si si je suis là vous inquiétez pas. Nouvelle séparation, on ne sait pas lequel c'est. Lemur 2, Falari, séparation confirmed. Lemur 2. Filari, après on a Cleos KSF 3D. ISI launch Cleos KSF 3D, séparation confirmed. Bah le flock 4Y, separation confirmed. de perte de signal. Flock 4Y, après on a Guardian Alpha. Guardian Alpha, separation confirmed. Après Third Flock four y Le Force après. Y separation confirmed. Space BD Sony Sphere 1 separation confirmed. ISI launch Clyde Space and Je pense qu'il y a des crochets André Non, j'ai pas vu. Je sais pas du tout, Bertrand. Je sais pas du tout. Oui, non, mais il y en a plein, ici, depuis tout à l'heure, qui sont injectés. Salut à tous. Euh... Savez-vous dans combien de temps le réseau Starlink sera passionné avec le mobile de Elon Je sais pas du tout, Archie. Et c'est pas le mobile, c'est T-Mobile. Et je sais pas... Euh... Alors, je sais pas, est-ce que... Je sais pas si tu parles de Starlink, euh... réseau internet mondial... Euh... Type fibre, enfin un peu comme la fibre, ou si tu parles du réseau euh, télécom mobile. Mais T-Mobile, euh, je sais pas quand est-ce que ça doit être opérationnel partout. Je sais pas, euh, Zertix, il a pas fait de téléphone, hein, c'est juste un, un partenariat en fait entre T-Mobile et SpaceX. Qu'on a plus de. Attendez, que je me trompe pas. <laughs> Énorme. Là, il y a une petite attente jusqu'à une 7,50 là. Avec 8 euh, flocs for aye. 8 flocs for eye.

Okay. ok. Donc on va avoir une coupure jusqu'à 1h16 de... 1 euh, peut-être plus 1h16 minutes de, de la télémétrie. Et donc normalement, euh, d'ici 10 minutes, on saura quoi. Si ça a été déployé, et après il restera euh, encore 15 minutes et ça, ça sera fini. Voilà. Non, pas fin du flux Sinon ils auraient coupé. Quand je vois ces images, c'est quand même dingue. Ouais, et c'est que le début hein, de cette nouvelle ère spatiale. Bientôt Zertix, il va servir justement de ses sats de com pour couvrir les endroits reculés et pas couverts par le réseau tel que l'Afrique. Et bien là, elle doit se désorbiter euh, dans l'océan Indien aujourd'hui. Enfin, elle doit en tout cas euh, initier une manœuvre de désorbitation au-dessus de l'océan Indien. Donc, elle va certainement rentrer. Euh... Je pense qu'elle va rentrer à ce niveau-là. Elle doit rentrer normalement. Elle doit faire sa rentrée. Il doit faire sa rentrée. Je vous l'avais donné tout à l'heure. Je vais vous retrouver ça. Normalement, il doit faire sa rentrée. Le second étage. Euh, au sud de Pont-en-Français. Voilà, oh c'est une toute petite île que je ne connaissais même pas d'ailleurs dans l'océan Indien. Mais en gros, euh, pour situer entre Madagascar et l'Australie. Donc. Euh, euh, plus proche de Madagascar quand même. Hein. Ouest-océan Indien quoi. Et du coup j'ai répondu là David. Comment ça David Je pense que tu parles de, tu dois parler de Starlink, je pense et de tes mobiles. Je crois que... Ah oh, c'est bon. J'ai rien dit les amis, je n'ai rien dit. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis, hein. là c'est le moment. Parce qu'après, on va se laisser d'ici, je pense, une... une vingtaine de minutes hein, par là. On approche de la fin de ce, de ce stream. Image du déploiement fini. Non, non, pas, pas encore. Là, on a juste un petit blackout des communications. Et après, ça va revenir normalement. Je dis bien normalement. Là, on passe un peu... Euh, voilà, on passe au-dessus de la Russie, de la Chine et tout. Donc, euh, bon, il n'y a pas trop de stations hein, à ce niveau-là, je pense. Ah ouais non mais ça faut vraiment qu'ils règlent le problème, moi je, je suis d'accord, c'est... Le problème c'est que tant qu'il n'y aura pas de, de sang. Enfin le problème c'est que si on commence à... Donc si le monde commence à s'en mêler, les occidentaux s'en mêlent et euh, commencent à leur dire à taper du poing sur leur, la table et leur dire arrêtez avec vos bêtises. Euh, ça peut vite aller en représailles derrière. Je sais pas. Euh, je pense qu'il faudrait que ça soit mieux encadré, mais c'est compliqué parce que... Certes l'espace n'a pas de frontières, mais c'est la Chine qui lance ses objets et on va dire que d'autres États n'ont un peu, pas leur mot à dire quoi et donc c'est un peu compliqué quand même. On a un peu pris entre deux chaises quoi, on va dire sans donner expression mais vous m'avez compris quoi. On a une reprise des coms, en tout cas de notre présentateur. Ah oh bah super. Ah désolé les amis, je, je pensais que j'avais laissé mon micro ouvert, mais non. Je regardais autre chose en parallèle. Ouais, c'est silencieux là. Dans tous les sens du terme, c'est silencieux. Hein. Attendez, je vais regarder un truc. Je vais voir ce que notre Hugo a posté, Est ce que je suis pas allé voir. Ah On devrait avoir des nouvelles confirmations de déploiement. Non, pas encore euh, Gatien. Non non non. Separation confirmed. Ok, Flock 4Y. On en a plein en plus Flock for on en, a, on en a beaucoup, il y en a 36. Hawaii, elle va se désorbiter, Gatien. Oh, regardez, on voit l'atmosphère au fond. Juste au-dessus de ton commentaire là. Euh, elle va se désorbiter et elle va se consumer dans l'atmosphère. De manière contrôlée, je précise. Ils en mettent plus là. Ça dépend pas 4Y, de separation moi, euh, David. y confirmed. Donc là, on voit Deployment Ends, donc la fin des déploiements va intervenir dans 13 minutes. Dans 13 minutes, ce sera fini avec le Final Deployment. Et ce sera EOSAT 1 qui terminera la marche, on va dire, qui fermera la marche. Séparation confirmée. Nouvelle séparation effectuée. Donc lequel euh, encore un flock floc for white pour le coup. Euh, bah parce que euh, à caf là les alors oui on pourrait hein. On pourrait notamment avec Lucas, Loriane, je pense. Hugo, lui, il est pas trop chaud pour se montrer en facecam. Et ça peut, ça peut se comprendre. Il a raison. Regardez l'atmosphère regardez au fond. Regardez ça. Avec la Terre qui. Alors, c'est plutôt au second étage hein, qui tourne. Mais on voit la Terre au fond qui se mouvoir. <laughs> mais Hugo voudrait pas, je pense. Euh, mais du coup, Loriane, Lucas et moi, ouais, ça pourrait se faire. pourrait se faire. Avec Ellie aussi, s'il si revient, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très très pris par ce qu'ils font. Euh, Puisqu'il faut savoir que la chaîne, waouh, wow, belle séparation! Waouh. Wow. La chaîne, c'est pas nos enfin, moi en ce moment, c'est mon activité principale, mais euh, c'est en aucun cas activité principale des autres. C'est à dire que les autres, ils ont autre chose à côté, ils ont des études, ils ont des tafs, ce qui fait qu'ils ont. Euh pas Beaucoup de temps à louer à la chaîne et le peu de temps qu'ils la louent, ils le font pas vraiment en FESCAM, ils le font à de l'écriture, ils le font à d'autres projets. Euh, Puisqu'on essaie d'être quand même complémentaire quand on est une équipe, on essaie justement de, bah, de tirer profit de, de, des compétences et euh, des profils et des envies de chacun et de, de faire en sorte que tout ça fonctionne bien ensemble. Donc, pas évident, mais je pense que quand on va avoir les, les gros lancements de l'année là qui vont venir, je pense que vous aurez du monde. Du moins en audio, en visio, je sais pas, mais en audio, oui, c'est sûr. Pogo. Euh, certains Vincent pas tous. Il y en a qui ont d'autres applications. Ouais, notamment avec Spin Launch. J'ai hâte de voir, de voir ça d'ailleurs, Spin Launch aussi, ça va être sympa. Ouais David, ça change d'autres lives, hein, parce que les lives type Starship, euh, c'était tout autre, tout autre. Ouais, ouais Scratch c'est clair. Voilà, il y a aussi, oui, Geodisy, il y a plein, 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 plein d'applications, vraiment...

Incroyable ce qu'on voit au fond là. Vraiment. Ah bon. on va voir le soleil qui va un peu nous. Ouais, qui a peut-être un peu gâché euh, la vue. Voilà, c'est beau. Ah, par contre, c'est beau en ouais. hum. bon, vrai. Gros CubeSat là qui est parti. Enfin, gros SAT même, parce CubeSat euh, c'est petit. First, hein. ice -ice Je crois que c'est X21 qui est parti, mais je suis pas sûr. NewSat. Je crois qu'on peut apercevoir les étoiles. Euh, non, là compliqué. Là tu les vois pas là. Il faut vraiment grossir, être stable. Et elles bougent très vite aussi, donc difficile. Umbra, ok. Ensuite on a encore Umbra. Et donc là il nous en reste. Euh 9, et ça sera fini. Magnifique, hein, quand même. Hein. Franchement, là, waouh, waouh, waouh. Les caméras embarquées, quand on les utilise bien, franchement, ça fait des merveilles. Hein. Oh, C'est le Quentin, comment tu 5, vas? Confirmation confirmation. Petit Quentin, comment est-ce? Wow! Donc là, il reste Launcher Orbiter SN1, X27, Skycraft, Vigorida, Chimera et EOS. Mais bonne année à toi mon petit compte, mais on s'est déjà dit bonne année je crois. Ouais, on s'est déjà dit bonne année. le lex bonne année vu le nombre de satellites en orbite, comment on s'assure que ces derniers ne vont pas se percuter entre eux ou en percuter d'autres actuellement en orbite Bah bon, on s'assure au sol avec des centres de contrôle, notamment on en a un au CNES, à Toulouse. Euh, en calculant les trajectoires, enfin il y a des calculs maintenant qui se font. Avant c'était des calculs à la main, mais maintenant c'est des calculs un peu plus euh, automatisés, conventionnels, euh, informatiques. Qui permettent de tracer tout ça et de faire en sorte que euh, tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de collision et que chacun puisse bosser dans son coin comme il faut. Euh, voilà, il n'y a pas qu'Ocnes qu'on surveille ça, on surveille ça partout dans le monde. Hein. Et on avertit au cas Il y avait eu un beau reportage sur ça. Euh, euh, alors je sais plus qui s'y était rendu. Je crois que c'était un vidéaste qui s'y était rendu. Lequel, je ne sais pas, mais je vous balancerai le reportage si je le trouve. Oh là là, comment c'est beau là. Mon petit Quentin, quand est-ce que tu nous reviens Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, Quentin, si euh, on allait faire des lives en visio ensemble et tout. Mais je sais pas si toi t'es prêt à montrer ta... Ta face. Mais ça serait drôle, mais quand et Quentin... Et d'ailleurs, Quentin, qu'est-ce que t'attends, toi, cette année en matière de, de spatial Parce qu'on t'a pas demandé. La semaine prochaine Dingue. Bon on est sur la fin Là il en reste 5 je crois Ouais 5 jusqu'à une 30 et une 10 Attendez je coupe juste mon petit micro J'attends un vol orbital. Donc, t'attends que Starship, toi. T'attends rien d'autre que Starship. Je suis déçu, moi. Je, je pensais que t'allais me dire Vulcan direct. Ok. Il reste 3, je crois. Je me trompe pas. Terran One, ouais, Terran One, ça va être sympa aussi. Ça devrait pas tarder en plus, Terran One, ça. Oh, perte de signal. Et euh, 25 février Vulcan normalement hein. Ça va être dans pas longtemps en vrai hein. Dans pas longtemps en vrai 25 février c'est dans Allez Dans 6 semaines C'est rien hein. Starship on a perdu l'espoir non, non non moi j'ai rien d'espoir là et je, suis trop con... je suis trop hypé en vrai moi Mais je sens que si j'attends encore trop longtemps Tu vois ça c'est ce que j'expliquais quelque part, c'est que c'est les montagnes russes ce projet, vraiment. La nouvelle Falconivie. Oui bah dans 9 jours, on a une nouvelle Falconivie qui va partir Moi aussi, ça va être sympa ça. Je pensais que tu parlais de la Falconivie que la, la coiffe étendue juste en mode ah ouais il est déjà dans le turfu euh. Le biscuit. Oh C'est les gros qui sont lâchés à la fin, regardez. Tous les petits ont été lâchés, il reste plus grand chose. Waouh. Alors j'aimerais bien voir où est-ce qu'on se situe. On doit avoir le, sur le de contrôle audio, on doit avoir la position. Vrai que je vous mettre le de contrôle audio là. Ah non, bah non, mais il manque la, il manque la cam aussi. Super. Je vais le laisser à côté. Bizarre, ils n'auront pas le temps de tous les lâcher. Si si si, ils vont les lâcher. Bah bien sûr que si. Il ne reste plus beaucoup là. On est sur la fin, hein. il reste deux minutes, même pas. Ils ont encore le temps d'en lâcher. Hein. Oui, je sais, euh, le moyen, je sais bien ce que j'expliquais tout à l'heure. On sait bien que c'est le second étage qui, qui tourne, on n'est pas dupe. Ah, il en reste un normalement, mais. Euh... Ouais, il dort bon, il en reste plus qu'un. C'est magnifique, hein, franchement, là. Orbite polaire hein Ah, oh, la petite perte de signal. Ah, et là, on est, euh, on est dessus du Canada. On n'est pas loin de chez Lucas, là, hein, clairement. Même s'il est un peu loin quand même, mais que de la glace en bas. Ouais, ah ouais, on est vers le, on est au nord du Canada. On a dû passer le Groenland et tout. Enfin non, c'est autre autre le Groenland, mais au nord du Canada quoi. Je sais pas, David, je pense pas que c'est les personnes dans les salles blanches. Euh, en concertation avec les, les constructeurs. Waouh! Et bah, c'est fini. Sat 1 a été déployé. Et normalement, c'est la fin. Normalement. Ça, c'est pour l'agriculture, Sat, Voilà, il y a plein, plein d'applications. Franchement, c'est super intéressant.

et we'll eh bah c'est la fin du vol aujourd'hui, la fin du live plutôt. Et euh, bah c'était bien cool franchement. Live, euh, live, sympatoche proposé par SpaceX aujourd'hui et par nous mêmes également avec nos commentaires bien sûr. En l'occurrence les miens aujourd'hui. Euh, merci beaucoup Nad, merci beaucoup pariement. Merci David. On va pouvoir se laisser là-dessus. Nous, on va se donner rendez-vous, euh, sachez-le pas avant la semaine prochaine. Maintenant, oh, on avait euh, magnifique première image de James Webb. Euh, on va se donner rendez-vous euh, la semaine prochaine pour le prochain stream, puisque euh, pas normalement, pas de lancement, euh, pas, enfin, en tout cas, pas de live, euh, en tout cas pour le moment hein, de prévu en cette fin de semaine, hein, de cette fin de première semaine de l'année. Donc, euh, donc voilà. On va se retrouver normalement et eh bien la semaine prochaine pour normalement deux événements. Euh, lundi prochain pour le désamarrage du cargo Dragon CRS-26 de SpaceX de l'ISS qui fera euh, ses valises pour revenir sur Terre. Et on aura euh, le lancement d'une Falcon Heavy pour la mission USSF-67, donc pour la Space Force qui sera lancée jeudi 12 janvier prochain. Donc la semaine prochaine ça risque d'être sympathique, on risque d'avoir de belles images, ça va être cool. Ça va être... On va bien démarrer l'année là, ça va être sympathique. Euh, donc voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire. Sur ce qui s'est passé aujourd'hui, n'hésitez pas si vous voulez suivre euh, d'autres actualités de notre part à aller sur notre Twitter, notre Instagram, notre Facebook, notre Discord, notre LinkedIn, notre TikTok, tout ça est dans euh, la description ou via la commande point exclamation réseau sans X dans le chat voilà, ou avec le réseau social que vous affectionnez, que vous préférez. Et euh, sur ce, bah, merci de nous avoir suivis aujourd'hui, merci pour vos messages de soutien, merci pour euh, les dons qui ont été aussi faits les likes, les partages, les abonnements, les commentaires. Et euh, on vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée, une excellente soirée, une très bonne fin de semaine. Prenez bien soin de vous. C'était Alex. Ciao, ciao, ciao.